Buggers. On est de retour les amis. Bon, attends, comment on dit? Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle pour un nouveau live stream de ce Super Smash Bros. Anyways, faut que je switch ma cartouche. Ouais, et le temps que ça charge, je vais aller spammer les gens dans le serveur qui se bougent. On s'amuse quoi, genre, allô, l'amusement. Attends, ouais. Joindre the call. Attends, je te mets en live. Je t'entends, mec. Je t'entends app pas. Ah, c'est peut-être parce que j'ai déconnecté mon. Attends. Pourquoi je suis en Wi-Fi, wesh? Horrible. Imagine jouer en Wi-Fi. C'est lequel? C'est celui de la test. Test 1, 2, Ouais, ça 1, marche, ça 2, 1, marche, ça 2. marche. Let's go. Alors, voyons voir. Alors, il y a un truc bizarre avec ma cartouche Smash, c'est que je crois ma Switch, elle n'arrive pas à la reconnaître. Oh, c'est gênant, ça. À moins que je la mette quand ma Switch, elle est déconnectée du dock. Bizarrement, genre. Attends, quand c'est connecté au dock, tu peux pas jouer à Smash? Non, en mode genre, quand j'insère ma cartouche, ma Switch, elle est en mode. C'est quoi comme cartouche là? Tu vois? Par Ouais. contre, quand je la déconnecte du dock et qu'après je mets ma cartouche, là elle est en mode ah oui, c'est Smash que t'as mis, tu vois? Putain, bizarre. Attends, viens, on bouge dans le serveur, dans un Oui, channel vas-y. vocal, comme ça il y a des gens On qui gagne peuvent la bol venir. gobo. Et puis d'ailleurs, faut leur spammer le link de ma friend Twitch. Portez les viewers. Viewers. Parce que j'ai perdu. Parce que je suis perdu. En fait, je me Voilà, demandais, et wesh, mieux. c'est où? Mais en fait, c'est juste parce que vous avez changé la photo de profil, bande de mecs. Ah ouais, mais c'est stylé là, c'est une image générée par une IA, c'est stylé. Bah oui, mais c'est plus une brique de. Je sais pas quelle brique De là, Minecraft. Netherite, tu connais même pas les termes, Chris, faut que tu révises un peu. Là là! Bon, Netherite. je crée une arène. Create an arena. Mais non, attends, moi j'ai des resets marrants. Ouh là là, tu me fais peur. Non, 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 mais on fait des trucs. Oui, non, on fait des trucs sérieux, mais j'ai des resets bien pour les trucs sérieux. Ok, Et vas-y. aussi avec des trucs où il y a des hazards. Genre, j'ai des resets spéciaux, tu sais, pour les stages avec des hazards. Ouais, mais tu me fais peur. Moi, je veux me battre sérieusement. On t'inquiète, c'est un truc sans hazard. Moi, je veux que tu me sortes ton Falco, moi. Vas-y, on va J'en ai faire ça. marre, là, de gagner toujours. Contre Aladdin, maintenant, il a plus aucune chance contre moi. Attends, pourquoi il y a Apex qui tourne au fond? Bah oui, mais bien sûr que ma performance elle va être pourrie si Apex qui tourne au fond, enculé. Pourquoi j'avais démarré Apex? Je voulais faire quelque chose, mais qui n'était pas joué, genre. Regardez l'écran. C'est comment qu'on fait? Non, genre un truc avec. Non, je sais même pas m'entraîner. Un truc du genre. A Battle Arenas. Oui, c'est ça, oui. Je suis paumé, je suis désolé. Je joue à tellement de jeux récemment, genre. T'inquiète, t'inquiète. Kriat Tu Arena. me dis quand c'est créé. Glorious Smashers. Smashers. Visibility. Public. Ah, bah oui, en plus, comme ça, je peux mettre le. Les. Alors, attends. Faudrait que je update le truc après. Bottom to leave, rules 3. Alors, c'est quoi les rules? Faire legal face-off pour l'instant. Pour commencer, easy. Easy max players Ouais, 8. Stage ok. random. T'as aucune chance. Ouais, ok. Password. Enter the name of the arena. On va faire facile. Voilà. Attends. Comment? On écrit Twitch mieux, genre. T'as mis Merde, oui, je suis le con. lien de ton truc Twitch? Oui. Putain. Merde, mais je suis une andouille, je sais même pas écrire. Anyway, c'est bon. 2109. Boom. Create arena. Et maintenant, il faut que je mette sur. Oula. Ah oui, attends, j'ai mon. Ah, yes, le truc Smash. Step BGA. into the ring. Alors, attends, webcam, Nvidia. Activaté. Genre t'as mis un code. Quoi? T'as mis un code. Oui, c'est 2109. T'inquiète, j'ai retenu quand tu l'as dit.
C'est, C'est je me quoi l'idée disais de pas que tu l'avais l'array? vraiment mis en fait, mais putain, tu l'as vraiment mis. Comment on fait déjà pour chaque properties? Ah non, c'est pas pour... Mais c'est comment on fait... Attends, c'est là? Property, ok. Et maintenant, je change le titre en D9, D9, 3. D9, D9, 3. Ok. J'arrive, j'arrive. Donc, attends, là, j'ai quoi comme perso? J'ai Samus, bizarrement. Bizarrement, quoi. Bizarrement, ça me ça. Donc, Voilà, c'est ça que je voulais entendre. T'as quoi toi maintenant comme Comme Mais main, ah bah j'ai. t'as entendu de où? T'entends dans mon micro là J'ai le... entendu quand il a dit Falco, ouais. Attends, juste test vite fait. Je vais pas parler, je vais juste voir si ça s'entend. Idéalement, j'aimerais bien que ça s'entende pas dans mon micro quoi. Non. Ok, non, ça s'entend. Ah non, mais en fait, je regarde le mauvais truc, je suis bête. C'est vrai que c'est pas pratique alors. Non, Let's non, non. go. Parce qu'en fait, j'ai pas de moyens. C'est chiant quand tu joues sur la Switch parce que tu peux pas, genre, avoir le son. Genre, si tu branches tes casques dans la Switch, et bah après, t'as plus le son sur le stream quoi. Alors attends, on joue pas à un shooter, on joue pas à Splatoon, on joue pas à Apex, on joue à Smash Smash. Brothers. On joue même pas à Rivals, tu me dis, même pas à Melee, genre Ultimate quoi. De comment tu joues. Ah mais oui, mais en plus j'ai mon micro devant ma... Ouais, là, ma nouvelle excuse c'est... Oh, j'ai le micro qui me bloque les mains. Genre il faut que j'apprenne c'est là la technique. En plus s'il me bloque pas les mains il me bloque la vision genre incroyable. Attends faut pas que je tire sur le câble par contre quand je le replace parce que c'est pas. C'est bon t'es prêt? Si je tire sur le câble j'ai un peu plus de micro quoi. C'est le même micro que Tomo d'ailleurs il m'a recommandé. Ah mais... En fait, King Didi est un peu rapide quoi. J'ai pas vraiment d'opportunité de te faire des combos parce qu'il est très... Comment ça gros? King Didi s'est réputé pour être le bug à combo. Il a pas beaucoup de lag en fait sur ses moves. Ouais mais t'as vu la putain d'hitbox? Non mais je c'est pas non c'est pas une question de genre les combos tu vois si je les touche je peux les faire mais c'est juste genre j'ai pas tu vois genre là j'ai essayé de faire un combo mais t'as réussi à le toucher tellement t'as pas de hit lag en fait c'est genre faut... c'était très rapide quoi incroyablement rapide tu peux vraiment aller à fond avec l'agression quoi faut que je choisisse bien mon moment d'attaquer quoi et que j'attende que tu fais des vaches plus longues. Ex. Oh mon dieu, c'est bien. Moi qui me disais que ça allait être assez facile en fait, c'est vachement fort. J'ai un peu joué, j'ai un peu joué. Mais en plus, tu sais que je vais rôler derrière toi. Que je vais sauter aussi. Tu sais Pas beaucoup jouer trop de choses. partout. C'est assez effrayant, j'ai envie de dire. En même temps, je joue Falco.
jure que je vais sauter. Genre, je jure que le personnage avec le plus haut saut du jeu, il va sauter. De plus. Ouais, c'est fini pour toi. Moi je suis en stream, j'ai peur. Oh mon dieu! J'ai un Tomahawk, mais j'ai pas pu. GG. Je te préviens, je vais sûrement jouer que Dididi. Ou alors parfois je suis sur avec Little Mac. Mais... Logique, logique. Je suis honnêtement surpris. Vraiment, tu vas jouer que Dididi? Non, non, mais je sais que je suis réputé pour être un gars qui joue en aléatoire normalement, mais... Je suis réputé pour être un grand main Kirby. Mieux, Pichu. On va dire Meta Knight plutôt. Pichu, mais c'est mon personnage préféré, tout le monde le sait. 3, 2, 1, go! Wall jump, c'était stupide ce que j'ai fait. Attends, est-ce qu'il peut wall jump ce Mr. Falco là? Ah bah oui, il peut wall jump, voilà. C'est bon. Ouais. Bah ouf. C'est toi qui me tue. Ton grab aussi, ton turnaround grab, il est vachement bon. Range. Tu m'as fait tellement peur que j'ai pas. Je okay. Sais, c'est un truc de pression ça, parce qu'il y avait une pression, j'allais pas y arriver, donc je sais que tu la pression de ouf. C'est un truc que j'adore faire. Quand j'y arrive vraiment à tuer avec le spike, c'est stylé, mais le meilleur c'est quand les gens tombent d'eux-mêmes parce qu'ils ont trop peur du truc. T'es là tranquillement, tu remontes, tu vois littéralement le mont Himalaya tomber sur toi. T'as peur. C'est vrai, c'est vrai. T'inquiète pas, je leur ferai peut-être plus. Rassurant. Ok, ok. Oh, mais je sais quoi faire. Un truc que tu n'utilises pas depuis le début, j'espère que tu viens de te rendre compte à quel point c'était con de pas le faire. J'ai pas entendu, mais... Il y a un truc que tu n'utilises pas depuis le début. Qu'il faudrait vraiment que tu utilises de... Auquel tu penses. Mais je sais, oui, oui, je sais, c'est ça. Oui, voilà. J'ai littéralement la plupart des projectiles, enfin la plupart des dégâts que je te mets, c'est des projectiles. Parce que
que c'est vrai que c'est difficile de se rappeler que t'as des moves. Dans Smash, je suis nul. Vraiment nul. Oh non! Bon bah on est deux. Génial, deux coups. Pour le prix d'un. Ok alors attends, je voulais faire quoi moi? Ah oui ça. Je suis pas réveillé là. Don't do two moves at once. Don't die like this, stupid. Oh mon dieu. Peut-être qu'un jour t'arriveras à me battre. Moi j'ai confiance. Voilà. C'est les deux oiseaux bleus. Pour l'instant, le pingouin gagne contre le... C'est quoi, Falco? En fait, quoi comme type d'oiseau, Falco? Je ne sais rien du tout. On va dire que c'est un pigeon. Oh! Quoi? Attends. Wow, j'ai un nouveau follower, là, c'est quoi? Gabman Style. C'est quoi, Gabman Style? Salut, bonjour. Je suis coréen. Donc, j'assume, ok, vu que je suis en train de stream en français... T'es pas un de mes potes qui vient me troller, c'est vraiment genre un viewer honnête, parce que quand t'es un streamer français, t'as beaucoup de viewers comme ça. Ouais, mais le fait que ce soit Gangnam Style, alors que je suis là... Ça joue. Non, je suis contre un de mes potes, tous, et il est vachement violent avec King Didi, genre, je sais pas si t'as déjà vu un King Didi professionnel, mais voilà, c'est le plus proche que tu t'en approches pas. Non, vraiment pas du tout. Je suis humble. Genre, je suis plutôt pas mal en combo avec Falco en général, mais genre vraiment, genre en plus le truc avec King Didi c'est qu'il a pas beaucoup de hand lag sur ses moves, donc genre j'ai zéro occasion de rentrer avec mes combos, tu vois, parce que j'ai des combos de fou malade, mais il faut déjà arriver à les faire tout court. Des personnages albino, c'est quoi ça albino, c'est à dire quoi? C'est à dire juste les skins blancs. C'est ça je pense. Si tu parles de skin blanc, bah moi aussi j'aime bien les skins blancs et spécifiquement celui de Marth. Yikes. J'arrive à t'éclater. Bon, j'ai l'avantage là, mais c'est pas récurrent quoi. Là c'est une exception. C'est déjà pas mal. C'est parce qu'il y a un viewer, ça met la pression. Ah. Compréhensible. Pareil. Alors attends, il dit quoi le viewer? Je peux venir jouer sinon? Ouais, si tu follow et t'as follow, donc ça marche. T'es un follower, mec, c'est parti. L'arène elle est ouverte, tu vois les codes en bas d'ailleurs. Donc tu veux faire des 1v1 ou ça te va de jouer à plusieurs? Et toi tous, t'en penses quoi? 1v1 c'est marrant en vrai. Ouais. Après on pourra switcher. Par contre je refuse de perdre en fait. Aïe.
Ah bah, Non, y a... je suis un connard. Sache que j'ai fait tuer gagner juste maintenant. Bon, c'est parce qu'il y a eu un vigueur, c'est la surprise, pour ça j'ai perdu. En vrai, vu que j'ai désactivé la musique de Smash, je me dis, est-ce que je peux... vas-y. Tu joues avec lui, Toast. Vas-y. Je me mets dans le... Alors, je t'ai juste remis dans la... Vas-y, allez, viens, Moi, en attendant, je vais essayer de chercher de la musique, peut-être à mettre, je sais pas quelle musique je peux mettre, genre, j'ai aucune... Oh non, pas un Link. J'adore les Link, je déteste les Link. Bah en fait non, je peux pas vraiment mettre de la musique parce que c'est chiant quand t'as 40 000 sources audio différentes et que tu dois mettre des casques, mais tu peux pas mettre des casques. Bon, voyons voir, voyons commenter cette game avec mon nouveau micro d'ailleurs. Bon, tu peux pas le voir là parce que t'es concentré. Mais j'ai un nouveau microphone professionnel. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir commenter la game. Gabman style. Contre tous. Notre résident King DDD main versus Link. Deity Link spécifiquement. Je vais de faire des plays avec des bombes, mais tout c'était plus malin. Il peut utiliser son neutral beat pour l'absorber. Les deux qui restent à leur distance, qui utilisent des projectiles. Tout ce qui était clairement ouvert là, mais Gabmanstein n'a pas su profiter de l'opportunité. Allez, une attaque. Ah, bonne smash attaque de la part de Gabman Style avec une suite de combos qui a été interrompue par le Gordo. Très bon recovery de la part de Toast avec le Sharking. Je rappelle le Sharking, on passe en dessous du stage. Non, tu vas attempt pas... à spike de Toast qui n'a pas réussi malheureusement. Et c'est le kill pour Gabman Style. Comment qu'on dit là, c'est quoi les gens, les nouveaux et les résidents home et genre visitor. Les visiteurs. Et qui, oh, quel beau play de la part de Toast avec le Gordo absorbé par la pente. Toast qui se fait absolument pressuriser par Link. Ouh, le bon play de la bombe, Gabman Style qui se fait toucher par sa propre bombe, incroyable. Ah. Ouh, mais quel recovery incroyable de la part de Toast. Qui s'arrête juste avant pour toucher le sol. Ok, oui, c'est normal. Bim. Yikes. Des fois, tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire, d'autres fois, je suis juste bim et yikes. Honnêtement, c'est compréhensible. Oh, ça serait trop bien de faire un spike quand t'essaies de recover avec un shark. Ah. Je t'imagine spiker un shark, ça serait... Oh, incroyable. Bon, là, tout ce qui est un peu au désavantage, mais Gabman Style a beaucoup de pourcents, donc s'il arrive à caler une bonne attaque, faut... égaliser le match, mais ça ne semble pas être très likely. Donc Link là avait une opportunité de faire une smash. Tout ce qui essaye d'edge guard avec le Gordo, mais ça ne marche pas parce que le stage a des pentes sur le côté. Allez, Sharking, ça peut être intéressant pour faire des attaques, mais c'est pas très pratique pour recover parce qu'il y a beaucoup de end lag quand on ne va pas à la ledge. Et ça nous laisse ouvert à des attaques. La range de King Didi. J'ai presque envie d'appeler King Didi Toast en fait, parce que à ce niveau là c'est juste Toast quoi, c'est le personnage de Toast. Mais ouais, King Didi qui a beaucoup de range, ça aide beaucoup à ne pas rater ses smash attacks même si on les fait un peu random. Échange de projectiles encore. Qui gagnera? C'est qui gagne? Toast qui galère un peu avec les bombes. Le guard qui marche pas avec le Gordo, mais c'est tout ce qui emporte cette victoire de pas très loin. GG. Il semble que notre visiteur
Et très Attends, j'ai pas le chat, je vais prendre mon tel pour regarder ton chat au cas où il très m'insulte. très à fond quoi. Un visiteur assez compétent. Donc, il est temps pour moi de l'exploser dans ce cas-là. Tous, je laisse faire le commentateur parce que vas-y, je vais être Attends. concentré. Moi, je dois faire le commentateur alors que moi, je joue aussi. Non, Ah mais que non, tu tu veux. veux l'exploser toi? Ok, ouais, Bah bien vas-y, alors sûr. attends. Hop. Ah, il va prendre Banjo et Kazooie. Le gars, il a même pas parlé dans le chat. Ah non, c'est peut-être parce que... Ouais, je sais pas. Ok. Yaka Ok, alors, un connard qui joue Falco contre un mec qui joue... C'est qui ce personnage déjà? Ah oui, c'est vrai. yaka! Incroyable, tes petits commentaires. Contre le gars Ça avec commence l'oiseau. fort, ça commence fort. Ok. On a deux oiseaux dans l'arène avec un singe. C'est un singe, le banjo. On va dire que c'est un singe. Le singe qui active son mode supersonique. Le combat se passe dans Je sais pas s'il l'espace. nous entend, peut-être il a désactivé le truc pour pas entendre Oh, le son de la game en double. il a intérêt à m'entendre. Donc, ok. Tous Ah les mais c'est deux font des invincible, attaques mais de c'est... dash. Ok, Il y en a un ok. qui est Je bleu, il y en a galère un un qui est peu, jaune. j'avoue, je galère un peu. Le Je Chris me qui galère concentre. un peu, qu'il dit. Ok, machin qui gaspille toutes les putains d'attaques dash, enfin dash, voilà, avec non attends, c'est les It's combo flèches ou time, c'est baby. le mec qui dit combo time BNB avant de se prendre un combo Ouais, lui-même. si tu répètes après nous, commentateur, ça va quoi. Non mais ça va, moi j'ajoute un peu de trucs. Ok, J'ajoute tout de se la passe bien, spice. pas mal, pas mal. Les gens font ok, beau spike, ok pas mal, beau, belle attaque, pas mal. Le jour 1 met donc des pourcents. Oh, le Chris, il se suicide, comme Bonsoir, je d'habitude. peux vous joindre à... Oh, Poudre d'or, c'est le retour de Poudre d'or. Bonjour, Poudre d'or. Qui Poudre d'or? Qui me Poudre parle? d'or, est-ce que tu es un follower Poudre d'or? C'était pas un follower, follow. Je suis un modo, ça veut dire que je te banne les gens. Poudre d'or, t'es pas un... Et comme ça, tu peux join. Ok, le singe qui utilise toujours son ami. Hihi Oh, le Mais smash par pour contre, faire genre, un il carré. m'explose vraiment, genre, c'est incroyable. Bravo. Oh, j'ai hâte de jouer contre ce Banjo et Kazooie là. Oh, ça va être très bien. Et Poudre d'or, bien sûr, tu peux venir avec le code de l'arène et l'ID Voilà, de mais l'arène, l'écran. follow c'est gentil si c'est follow. T'es pas obligé de follow, J'ai besoin de Poudre d'or. follow. Non mais si, c'est le requirement, il faut follow pour jouer là. Vas-y, je fais pas ça gratuitement quoi. Ça, c'est le gouvernement qui te le dit, mais en réalité, c'est gratuit, C'est tu une peux game même si avec tu mon veux. éternel gain, je sais même pas si je fais. Pourquoi j'ai sauté dedans? Je suis vraiment nul, genre je suis trop tellement concentré à... faut que je Je réapprenne sais à pas si c'est jouer toi qui es nul, en je sais pas si parlant. son banjo est vachement fort, mais du coup, ça me donne envie de voir son banjo. Après, je joue contre machin, enfin, sauf si Poudre d'or rejoint entre temps, mais. Ouch. Hop là, oh, c'était magnifique. Ok, j'arrive. Je J'arrive suis comme nul. Dom Style. Faut que je me concentre. Gunman Style. Je sais pas si t'as fait exprès de mettre des fautes partout ou si tu sais vraiment juste pas écrire Gunman. On va dire que t'as fait exprès. D'ailleurs, Poudre d'or, depuis la dernière fois, j'ai acheté un micro professionnel, donc voilà. Bonjour. Pousse-toi, Chris. Ouais, J'ai oui, besoin de me je me battre pousse, ça devant va, ça lui. va, oh, ça va, hein. Oh. Non, non, mais Gunman, reviens. Voilà, c'est ce que je veux. Là. Aïe aïe aïe, comme on dit. On va voir. Tu peux commenter Ah, mais maintenant. attends, j'ai pas mon goal. Attends, il faut que je mette mon goal là. C'est pas possible ça. Des Attends. goals de tes C'est pour ça qu'il y a un gros trou là dans mon. Donc, attends, je vais essayer de faire le commentateur. Donc, le banjo, le main de Gabman Style contre Toast. Ah, Gabman Voilà, Style. t'es. Pas ouf. Pas ouf, Gabman Style. C'est quoi ce skill de merde? Attends, ça se trouve, il est juste AFK. Ouais, c'est ça. Moi, je dis, Attends, c'est du dis-toi, je skill me pas ouf. suis. Comme ça, on a égalité. Égalité. Bah vas-y. Au pire, tu te SD et puis on fait une game ensemble en attendant qu'il règle. Non, mais attends, j'ai vraiment envie de te battre. Ah, mais putain, t'aurais pu prévenir. Mais non, non, mais non, pourquoi tu te suicides? J'ai pas le chat là. Je sais pas, moi j'ai le chat, il dit rien. C'est quoi que je mets dans le Ah, je voulais sub battre goal? contre lui là. Sub goal, je mets On recommence, ok, on recommence, on recommence. Tu peux nous laisser follow recommencer? pour
Merci, Chris, de nous laisser recommencer. Salut. Ok, là c'est du sérieux. Gangnam Style, on va se battre. Start go, let's go. Il était. Comment ça, sorry, j'étais en même. Ah oui, non, c'est Poudre d'or qui dit ça. Poudre d'or, run the time, gang, let's go. Let's go, let's fucking go, baby. J'étais à quoi? J'étais à. J'ai combien de followers là récemment? J'ai eu 1, 2, 3. Et j'étais à 18 et maintenant je suis à 22. Yes. C'est incroyable de streamer en français, c'est tellement de triche. Tellement OP. Bon, attends, que je commente la game là, sinon c'est pas cool. Alors, tous versus Gangnam Style, les deux qui mainent leur personnage. Yes. Dans le but de tous. Hop là, est-ce que les Français disent ça différemment, le Downbee? Ils disent ça quoi? Ils disent le Babé? Non, Downbee. Oui, non, mais je sais. Parce que moi, je vous ai habitué à le dire en anglais. Mais des vrais Français, des vrais François, comment ils disent? C'est quoi ce système? Mais qu'est-ce que tu. Nu. C'est un stage plat avec du sharking et avec les trucs pour empêcher le edge guard avec des projectiles comme le Gordo. Donc ça rajoute un élément de spice tout en étant très logique, sans bullshit. Limite un stage plus bullshit. Genre en fait, du moment que le stage il a pas des bugs et que les trucs ils restent consistants, je vois pas le problème. Il y a des stages Lego avec des plateformes qui bougent et qui vont jusqu'à la zone. Je vois pas c'est quoi le problème. Y a pas de bullshit là en mode genre oh tu vas. Moi tu peux marcher jusqu'à la blaze zone. Ça va. Je sais pas, bon, tu peux te narrer tout seul ou quelqu'un a dit quelque chose dans le chat? Oui, quelqu'un dans le chat avait dit c'est ce stage. Je suis pas mort. Avec un emoji qui pleure. Oh, je suis pas mort, je te dis. Tu vois, regarde, tu peux recover comme ça, tu vois, mais ça donne un élément de skill. Parce que genre, si tu recover comme ça, tu peux faire une attaque, mais aussi, si t'as pas fait une attaque, bah ça te prend beaucoup plus de temps à recover vu que t'es pas à la ledge. Donc l'autre, il peut te contre-attaquer. Mais si t'es skill comme tous, tu peux cancel ton upbeat pile au moment où t'arrives sur le truc, pour pouvoir recover plus vite et pouvoir faire une attaque à ce moment-là. Donc tu peux recover, bim, en plein milieu du stage et commencer à faire une smash. Sauf que si tu le fais une frame plus tôt, bah tu prends comme une... C'est vraiment. Ah, le skill. Non, je suis pas mort. Quoi? Il enterre ce truc? Bâtard. Énerve-toi. Anyways, donc, les deux qui restent assez close range, qui essaient de s'échanger des coups. Ça marche. Moyennement pour les deux. C'est. Pas vraiment d'avantage pour quiconque. Ouais. Bon, Banjo qui arrive à faire un peu plus de. Du coup, il a un peu un meilleur neutral. Il faut faire gaffe aussi parce que le side B de Banjo est invincible. Ça peut être très pratique pour s'approcher de tous quand on fait ses attaques. Ils ont très peu de hand lag, mais c'est un moyen safe de s'approcher sans avoir peur de se faire attaquer par une autre attaque. Ouh, c'était très bien calé ça pour éviter la pente. Ouais. Le side B qui aide définitivement contre les attaques de Toast. Ouh, bah, ça c'était une interaction assez bizarre en vrai. Tu vois, là, le Gordo il a pas réussi à edge guard. Donc c'est bien. C'est un stage, tu peux le counter pick pour pouvoir. Genre, si tu vois que l'autre était le guard 3 avec des projectiles, et bah, tu peux te défendre. Tu vois, les flèches de Link elles vont pas marcher non plus. Un petit élément de sécurité. Et encore une fois, le stage il a pas de bullshit, donc ça c'est cool. Merde. C'est pas alors à ça parce que je suis sûr t'as eu la réaction en mode c'est quoi ces stages parce que t'as cru que je les ai mis en random avec tous les stages. Non, je les ai choisis spécifiquement selon des youtubeurs très populaires et connus qu'ils ont dit quel stage pourrait être bon ou pas, qu'est-ce qui pourrait être techniquement rajouté au stage Lego si jamais on ferait des changements quoi. Donc je me suis dit, c'est vrai. Bravo, que c'est le Gangnam Style. Le charcon, c'est trop bien. Mais Poudre d'or, c'était pas la Bayonetta là? Quoi, je crois. Vas-y, Chris, vas-y.
Tu veux que je me la fasse? Ok, vas-y. Bon, je te laisse commenter et en espérant que tu me fasses pas tellement marrer que j'arrive pas à me concentrer. Vas-y, Gangnam Style, je compte sur toi pour commenter avec moi. Commente dans le Et... chat si tu veux. Après, Ok, donc on a Polo un d'or. pigeon contre une dame. Pas mal comme Pigeon contre une dame. Incroyable. Après, poudre d'or contre toast. Ah, non, mets-toi par terre, c'est marrant d'être. Putain, le pigeon qui respecte pas les traditions des Bayonetta qui est de se mettre par terre. Ok. Bayonetta qui n'a toujours pas fait son combo signature de je te mets 0 puis 1000% d'un seul coup. Ça m'étonne. Ah, peut-être le combo qui arrive. Oui. Ah, Ah, bah, un peu triste. Malheureusement. bah d'accord, ça se dit. Ok, pas mal. Pas mal, ok, pas mal. Yikes. Ok, c'est Ah, vrai que... ça. Oh, mais non, mais tu aurais pu tirer là. Oh, mais c'est... Non, mais par contre, ils sont vraiment forts. Genre, moi, je suis bon en combo, mais en... Mais tu peux pas esquiver comme dans Rivals, on est pas dans Rivals. Bon, c'est Bien vrai que joué, contre trop bien. Bayonetta, là, j'ai un peu galéré parce qu'on est tous les deux genre s'approcher. Mais moi, c'est genre, il faut que je m'approche en marchant. Et elle, elle peut s'approcher avec des attaques. T'as vu Je ça? déteste Bayonetta parce que mon personnage est trop gros pour esquiver quoi que ce soit. Donc je choisis bien mon moment. Yikes! Oh là là, le pigeon Non, qui se fait non mais genre, je suis engager vraiment par un poulet d'or bot super fort. gun. J'en ai marre d'être nul. Genre. Des fois, je suis fort, mais en fait, je réfléchis. Genre, c'est pas en mode. J'ai plein de. Yikes! Ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver. Poudre d'or est beaucoup trop fort. Ah, aïe aïe aïe, c'était beau ça, bon, c'est des cons, Bon, c'était à beau part quand pour même. le recovery. Poudre d'or, recovery à travailler. Mais t'as pas le droit d'insulter comme ça. Tu fais enchaîner, t'as pas le droit de dire ah, Les travailler. grabs, les grabs, les grabs. Oh. Oh là là, Ok, c'était attends, quelles sont beau les zones ça. pas safe de Bayonetta? En fait, toutes les zones avec Bayonetta sont pas safe, genre. Déjà, être. Ok. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Piu piu. On a tous les deux des guns. Non, mais son gun est plus stylé parce que c'est attaché à ses chaussures. Mais en plus, parce qu'en fait elle me mix up, donc en fait il faut que je choisisse bien où est-ce que je dis aïe. Oh. Ah, ça c'est dommage. Aïe. Baisse-toi. Ah, c'est trop bien ça. Bravo d'avoir trouvé la faille dans son jeu. C'est serré là, c'est très serré. Oh, les guns, elle aurait fini, je crois. Oh, dommage! Mais non, mais oh, tu connais pas Bayonetta, toi. Non, mais on sait jamais. Oui, mais on sait jamais, donc si tu sais pas, tu commences pas à dire que la game elle est finie. C'était quoi comme genre de Non, commentateur? mais attends, écoute bien mon dommage. C'était pas un dommage, c'était un dommage avec un point d'interrogation. Ok. Ah, non, mais quel nul! Je me suis ouvert. Non, mais aïe, quel aïe. Nul! Aïe 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 aïe. Ok, poudre d'or. Attends, je spam les poteaux là pour qu'ils arrivent. Rien d'ailleurs. Oula, quelle game éclatée. Éclatée dans T'as quel dit sens? KO que maintenant là? Ah oui, parce que tu t'es suicidé de... Non, mais parce que sinon j'aurais été absolument ruiné, genre.
Poudre d'or, tu vas voir, tu vas voir. Bim, bim, bon, je déteste Bayonetta, mais on va c'est voir. C'est parti. Bonne alors, chance. Attends, faut que je spam là mon. Donc la Bayonetta de poudre d'or contre le pingouin là, King Dedede de Toast. Voyons voir, voyons voir. Toast essaie les smash attack, mais ça ne touche pas bizarrement. Smash attack avec là, tu vois, là, impossible de m'en échapper de cette merde. Ouais, c'est pas surtout avec ta grosse hitbox là. C'est du combo food, mec. Donc là, Bayonetta, elle va avoir un peu de mal à s'approcher de toi vu que t'as tes attaques qui sont. Ils ont très peu de end lag, par contre, c'est sa combo de 80%, quoi. Donc, et je pense que c'est même pas question de prendre sa distance, justement. Faut vraiment que tu t'approches d'elle et que tu l'étouffes un peu. Parce que Bayonetta, elle a beaucoup de mal à s'approcher, ses moves ils sont très très lents. Là, je pourrais rien faire, littéralement. Genre, tu vois, même son meilleur move pour s'approcher, celui là qui slide sur le sol, il prend beaucoup de temps à démarrer. Mais après, il a une hitbox. Arrête de me faire ça, c'est insupportable. Donc genre dès qu'elle a commencé ses moves, ça va être compliqué pour toi. Oh, je suis nul. Tu peux mourir aussi comme ça. Ok, t'inquiète, t'inquiète. Pas très efficace. Tu finis bien. Juste suffoque là, approche-toi d'elle. Je pense que ça devrait le faire. Désolé au fait poudre d'or, hein, mais bon, tous le connais depuis la maternelle. On est les meilleurs potes du monde. C'est vrai en plus. C'est pas vrai. Mais Oh, mais à quel moment? À quel moment? À quel moment ça marche comme ça en fait? Ça marche pas comme ça. Ce jeu. Je peux pas. Je connais pas comme ça. Arrête. Quoi? Mais de toute façon, t'avais pas besoin de mes conseils parce que tu l'exploses quand même. En fait, genre ici, là, moi et tous, on est les moins forts. Genre, on gère le stream, mais arrête, pas du tout. Arrête, ne me mets pas dans ta catégorie. Moi, c'est juste Bayonetta qui me pose un problème. Non, mais clairement, faut le dire, ils sont plus forts que Bayonetta. Bon, non, anyways, non. Vas-y, laisse les jouer ensemble. Gabman Style et Poudre d'Or. Je vais faire commentateur professionnel. Allez-y. Et puis en attendant, je vais spam les gens là pour qu'ils viennent. Non, c'est rare. Ouais, peut-être qu'on va faire des matchs à 4. La plupart des gens sont en vacances. Hein, donc... Vas-y, Gabman Style, t'es toujours là, Gabman Style. Gabman. Wake me stream! Hello, guy, wake me! Allez, vas-y, on refait un petit parce que les gens ne veulent pas jouer. Encore un match. Le revenge. C'était ma revanche. Salut, mec. Tu veux join? T'as les codes là, ici. Attends. Là-bas, là, au fond, tout loin. Genre loin là-bas. Salut, Wakai. Ok. Quelque chose. Tu peux aussi le faire avec un accent anglais si tu veux. Wakai Mistream. C'est tout ce que. Ah bah bonjour Gabman Style, t'es un peu en retard. Parce qu'ils viennent juste de recommencer une game sans toi. T'aurais pu jouer avec Poudre d'Or, le nouveau visiteur. Et puis t'as Wakai Mistream qui arrive là. Donc en vrai, on pourrait carrément jouer. Faire des matchs à 4. Je suppose que je refais. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui arrivent? Ça serait sympa. Hein. Gabman Style, je prends mon Joker. Ça veut dire Joker. Ah, ok, non, j'ai cru Joker comme la carte Joker en mode genre mon personnage, c'est ma wild card. Mais en fait non, c'est vraiment le personnage qui s'appelle Joker. Ah, oh putain. Poudre d'or qui explose un peu les murs. Pas tous, parce que tous il a l'avantage. Je me rappelle en plus, c'était sur cette map que Poudre d'or m'a totalement explosé quand je jouais, je sais même plus quel perso. Oui, c'était la famous map. Map parfaitement réglo d'ailleurs, je vois pas c'est quoi le problème. Je pose un monstre en mode défense. Tu poses où? Quel monstre? Le mec qui a Yu-Gi-Oh! Ah oui, c'est une référence de Yu-Gi-Oh! Désolé, c'est pas moi. Non, il faut que Sandaster vienne pour m'expliquer les références Yu-Gi-Oh! Il est où Sandaster là? Viens Sandaster. Hâte Sandaster. Viens, wesh. On a besoin. Ah mais lui, attends, non, appelle pas Sandaster. Toi pour décrypter les rep Yu-Gi-Oh! Ah! Et Interno, il est online en plus.
carrément le, ah ouais, le spam. L'internaute, let's go. Un usage donné, viandé, comment on dit. Bon, c'est quoi les scores, c'est tout ce qu'il gagne. Justy. Non, non, j'ai rien dit. Ok, je me tais, je me tais. Non mais en plus c'est courageux de main Bayonetta parce que c'est. Bah qu'est-ce que tu fais tous, tu veux te suicider là? Ta gueule, c'était un messenger. C'est le stress. Bayonetta qui te fait suer là. Mais ouais, je m'imagine, t'as dû voir quelqu'un qui a joué Bayonetta bien, qui a fait des combos et ça t'inspire et tu te dis ah je peux le toucher et il va genre pendant 50 000 années, je lui fais un combo. Et c'est bien, parce qu'elle a beaucoup de end lag en plus. Genre. C'est codé dans le jeu, donc en fonction de la combinaison de moves que tu fais et dans quelle heure tu le fais, t'as plus ou moins de lag. Et donc t'as certains combos de moves, ils disent oui c'est bon. Donc comme ils savent, les développeurs, que c'est bon, ils disent là le lag. Et genre le lag il est abysmal quand tu tombes par terre après avoir fait beaucoup de moves. Même si t'as pas touché ou que t'as pas fait des combos, genre, juste le fait de faire certains moves dans un certain ordre, ça ruine ton lag. Anyways. Je propose. On fait des 4 là. Vas-y. Alors je propose que je me pointe déjà pour jouer un peu aussi. Ouais. Et ok, bah. Vous avez raison. Poudre d'or qui part. Ok, ouais, bon bah. Poudre d'or c'est barré. Bon alors vas-y, viens. Waikai Mai. Thanks Poudre d'or pour d'être passé. C'est BG. Yu-Gi-Oh Master Duel. Non, c'est non. Mon jeu. Poudre d'or. Je retrouverai un jour. Let's go. Ça va être absolument le chaos. Eh non. Salut Poudre d'or. Et puis après, peut-être si tu veux Wakaimi, on pourra faire des 1v1 encore pour que tu puisses jouer en 1v1 avec des gens. Mon rival de toujours. Alors, Captain Falcon en rose. Gamma Insta qui a pris le Bowser. Bowser du jeu. J'arrête ma couture. Ah, t'es en train de rapisser. Ouais, j'ai rapisse. J'étais en train de me couper du matelas avec la brosse. Ouais. Quoi la définition de rapiécer, ça se trouve c'est vraiment ça et je me donnerai pas parce que des... Par contre t'aimes bien spam le down beat. Enfin le down air, excuse-moi. Ah, ah, merde, c'est que et t'aimes bien aussi spam les smash attack. Du coup je vous rejoins sur Yu-Gi-Oh. Ouais. Sérieux on s'est... Par contre j'ai pas de micro, j'ai même pas de... Oh l'internaute est là. J'ai du mal à t'entendre dans tout le vacarme là, on est en train de jouer à 4 et en plus t'as des viewers dans le chat et tout et puis waouh. Ah, vas-y attends je vais... Viens dans le stream si tu veux comme ça c'est bien. Ouais ça va, les refs en fait. Ta gueule. Yikes, le down air de Bowser. Définitivement pas. Et c'est possible enfin. Même moi que je rejoigne. Ouais, vas-y, on peut faire des games à 4 ou alors on fera des 1v1 peut-être plus tard. Ah, par contre, Wakaimi, ok, out. On va essayer de finir sa vie. C'est vrai que les matchs à 4. C'est bouilli là, tu fais tout la grosse tortue là. Ouais, parce qu'il a vraiment trop de vie. Oh là là, par contre, je vais vraiment fermer le stream parce que je serai sur mon partage de connexion. Ok, toast. Ah bah merde, je suis en désavantage là. Ah bah oui, en plus là, c'est un 1v1 toast. C'est pas ouf en 1v1 toast parce que toast est meilleur que moi. Des fois. Mais vas-y, j'arrive même pas à retourner mon truc là. Je suis pas habitué au. Le serait sur de la 4G normalement je y a pas de... Bah alors en espérant que ça ruine pas du tout la performance de. Je vais être par crash. Oui je. Alors là ça va être difficile. J'ai pas envie de faire du la game mais en même temps j'ai pas non plus envie de perdre, tu vois ce que je veux dire. Ouais cette fois ça va pas marcher. Mais... Non, je sais que c'est juste pour me fake ce que tu fais là. Mais oh, ça va un peu.
Mais non, il l'a vraiment fait cette fois. T'es qui le code? Le code, il est sur le stream. Ouais, c'est sur le stream. Ah, mais sinon, putain. C'est 21-09. 21-09. C'est pas 21-09? C'est 21-09, ouais. Putain, je suis un génie, je l'ai retenu. Ça fait 10 ans, on n'y a pas, regarde. Bon, alors. Est-ce que par hasard, Wakaimi, tu veux faire des 1v1? Peut-être versus Monkey V, vas-y. Non. On repasse en 1v1, là, non? Vas-y. Salut. Monkey V et Wakaimi. Allez-y, là. Ah, bah, ok. Oh, merde, attendez, y a un mec qui peut pas... J'ai gagné. Attendez. Wakaimi, attends. Tu veux pas venir dans le délire, là? Ouais, Wakaimi, 1v1 avec Interno. Et il est en train de regarder le stream, il est pas bien joué. Non, c'est super con en fait. T'es con avec Amy ou quoi? Non, je regarde. Ouh, les deux big boys. Ouais, nice. J'aurais bien, mais il y a un pingouin en plus là, il y a que les gros méchants. Ah, ça va bien. Que des gros méchants. Mais... Alors, voyons voir. Ouais. Ah, d'ailleurs, t'es pas au courant, Interno, mais wesh, j'ai un nouveau microphone professionnel là, je sais pas si t'entends ma voix. Faut que je te fasse l'impression, genre, maintenant avec ce nouveau microphone. You can hear the sweet honey bubbles of my angelic voice. Je crois que c'est juste le wifi en mode. Avec le portail. Non, mais Wakaimi, il était en train de prendre son perso, il y avait marqué. Il est mort. Tu peux apprécier le stream. Anyways, il faut que je fasse de la commentation avec mon nouveau micro. Qu'est-ce qu'on a? On a Monkey V, / l'interno, / tous. Non, pas tous, c'est l'autre. / Karkipik, / Palagelewa Pelepao, / C'est quoi? J'en sais rien, on s'en fiche. Avec Kinky Rool et Gabman Style avec. Dio, deux poids lourds qui s'échangent des coups plutôt pas mal, sauf que Karkipik a beaucoup plus de tchatch. Moi je suis pour Gangnam Style. Vas-y, Gangnam Style. Il s'appelle Gabman Style. Ah bah je pars avec. Alors, à savoir que Gabman Style aime bien utiliser les down air et les side smash. Juste à savoir. Monkey V aime bien utiliser les neutral B, donc le tromblon là. Et il aime bien faire des trucs funky. Genre. Aussi, un autre truc qu'il aime bien faire, mais ça n'a rien à voir avec le gameplay, c'est faire des imitations de crocodile pendant qu'il fait des attaques. Ah mais en fait j'étais en train de me dire, est-ce que Kinky Rool et Bowser ils sont dans la même équipe techniquement, mais en fait Kinky Rool c'est des cousins très lointains genre. Mais non, mais Kinky Rool c'est l'ennemi de Donkey Kong. Je lave les mains sans merde. Mais Donkey Kong c'est l'ennemi de Mario et Bowser c'est l'ennemi de Mario aussi. Donkey Kong c'est genre un frenemy. Bah en même temps tout le monde est frenemy de tout le monde parce qu'ils jouent tous à ils font tous du Mario Kart ensemble, donc au final. Ah mais oui, ok, d'accord, voilà. Mais moi je parle de dans les vrais jeux. En vrai, ça dépend des objectifs. C'est quoi l'objectif de Bowser? C'est Peach. Lui, l'objectif, c'est quoi, Cobdax? Ah, c'est de voler les bananes du banano. Sérieux, Aladdin, on a joué à Donkey Kong. Tu te souviens pas? Il veut la voler les bananes. Il veut voler les bananes. Bon, c'est qui gagne là? C'est clairement Monkey V. Bah oui, parce qu'il a plus de chat, je le savais. En plus, regarde, c'est lui qui a la couronne. C'est de la royauté. Bowser, lui, il est en train de courir après la royauté, genre il est en train d'essayer de capturer Princess Peach. King Kong est plus loin à tout ça. King Kong, c'est déjà la royauté. C'est le king de la game. Allez, à mon avis, son regard regretté. Let's go! King Krikrikrul. Vas-y, Wakaimi, tu veux jouer contre qui? T'as l'option. Tu peux choisir. Je veux jouer contre tous, il est tellement stylé. Je comprends. Bon, vas-y, poussez-vous, bande de nazes. Laissez-moi Wakaimi jouer. Monkey, il veut jouer contre Monkey. Vas-y, Monkey. Tu veux jouer à Je dois. Eh, hey, j'ai les mains huilées. Il m'a mouru contre Ness. Nice. Non, mais voyons voir comment tu te débrouilles avec Ness. J'ai regretté de lancer direct.
Ouais, on va. Je suis sûr. Non, mais parce qu'en plus, il prend. Je suis sûr, il va nous. En fait, vous êtes tous des professionnels et ici, c'est nous qu'on galère, genre. C'est nous, on prend les personnages marrants, tu vois. Moi, je prends Falco parce que, haha, lol, il fait des combos, même si. Tu vois, lui, tranquille, qui roule. On prend régulièrement Little Mac, un peu tout le monde, genre. L'autre, il met le pingouin, là. Et vous prenez tous des persos sérieux, genre. Vous prenez des Captain Falcon. Vous prenez des Jazz, vous prenez des. C'était qui l'autre Banjo? Bon, Banjo, donc il n'est pas au campus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais ils sont vraiment. Ils sont très hard, quoi. Ça m'intéresse. Ouais, avec les bons Edgar, tout ça. Ouais, mais il fait aucune esquive, ça me fait que je veux préchauffer ses mouvements. Très la pression. Parce qu'en fait, nous, tu vois, on n'est pas vraiment. On réfléchit pas vraiment aux techniques de combo ou quoi, on est juste. On fait au feeling, quoi. On n'a jamais vraiment été. Oh, c'est bon, putruleux. J'aime pas les pentes. Oui, c'est. Spécifiquement, j'aime pas les pentes qui descendent, genre. Les pentes qui montent, encore. Je peux comprendre, tu vois. C'est mieux jouer King K. Rool si je peux me permettre. Ok, on verra un duel de King K. Rool après. Quoique, en vrai, tu vois, les pentes qui descendent, ça va. En fait, tu peux pas utiliser des projectiles. Si le gaze il est un peu plus bas, tu vois, ou alors si t'es là-bas, tu peux pas être au bord de la map et utiliser les projectiles. Donc c'est bien. Ouais, parce que c'est vrai, en fait, ouais. La map elle a l'air un peu plus claustrophobique. Parce que le seul endroit où tes projectiles marchent, c'est d'utiliser un personnage qui utilise des projectiles. C'est genre le milieu de la map. Donc en gros, tes projectiles ils servent à rien. C'est mieux jouer King K. Rool si je peux me permettre. Ouais, ouais, non, mais non, ça non, va, non. Voilà, Nunu. Mais non, mais c'est pas. Non, vas-y, prouve-nous ça, vas-y, 1v1 King K. Rool, c'est parti. Ouais, mais allez, laissez-moi me laver les mains. Non, non, mais après, d'abord, il se lave les mains et après. Tu m'as vu jouer. Putain, il avait 3 vies. Oh putain, mais c'est. Non. Y'a pas. Ouais. Attends, oui. Ah ouais, yes. Bah vraiment là, les trucs qui m'ont lâché. Est-ce que c'est mieux? Normalement là, il y a zéro bruit environnant, il y a que ma voix. Ah oui. Yeah. Parce que des fois je baisse quand je joue tout seul, quand j'ai mes casques ou ça, mais c'est vrai que là, vu que je suis sur mes haut-parleurs et que j'ai pas mes casques, c'est mieux d'avoir la réduction de bruit au max. Vu que c'est un peu mieux. Donc mon Kevin, tu me dis que tu t'es exposé. Ouais, non. Attention, non. Bonk. Ok, peut-être un comeback. Non, rien du tout. Attends. Ok, pas mal. Aïe. GG. J'y jure. Il va se laver les mains, ok. C'est qui se lave les mains là? Aladdin. Est-ce que je peux jouer contre Waikami ou pas? Bah attends, peut-être les autres aussi. Ah, comment ça, Waikami stream? Ça fait longtemps que vous connaissez. Bah, jouez ensemble alors, bande de gens. Ouais, je peux jouer, wesh. Bah oui, mais on veut tous jouer. Moi, ça fait combien de games que j'ai pas joué là? Bah en fait, tu sais quoi, non, vous connaissez, donc Miskina, vous allez pas jouer ensemble parce que vous pouvez déjà faire des games ensemble. Attendez. Alors j'ai les mains. Attends, Aladdin, dégage. Ouais, je sais, mais là j'essaie de dégager avec mes coudes, tu vois. Donc c'est qui c'est... Alors attends. J'essaie de dégager avec mes coudes. Ouais, j'ai réussi. T'as pas réussi, ouais. Bon, ouais. Vas-y, réussi. C'était qui contre qui là, le truc derrière? C'était Waikami, c'est ça? Ouais, Waikami. Okay. Allez-y, battez-vous là. Tant pis, je vais faire le commentateur. Allez, vous pouvez vous connaissez tout ça, vous faites des games. Sauf que là, vous avez un commentateur pas du tout professionnel, mais avec un microphone professionnel. Commentez votre game. Donc c'est parti, on a Gabman Style avec son King K. Rool. Ok, Aladdin, regarde bien. Et Waikami avec son S. On va voir si on peut apprendre des choses sur leur playstyle et pouvoir les exterminer par la suite. Alors, il est meilleur que toi avec le truc, mais il fait quand même un downbeat dans le vide à l'envers. Il n'arrive pas à faire les combos aussi bien que toi par contre. Ok, pas mal la smash attack.
Bonne réaction. Ok, Mick oh, essaie yes, de recover. Très bon recovery. Oh, très bon recovery qui évite le yo-yo en bas, mais qui se fait quand même toucher par en haut. Ok, il essaie de faire des smash attacks. Gamman Style qui essaie de faire des plays avec le tromblon mais qui rate. Gamman Style, j'adore ton pseudonyme. Ok, ok. Gamman Style qui est assez. Qui rush in avec les attaques. Même si ça l'aide pas, au moins il essaie de garder la pression. On voit Kaimi qui essaie de jouer ouais, un peu plus tactique. Gamman Style là qui recover de très loin. Pas très pratique. Wakami aurait clairement pu profiter de l'occasion pour aller faire des edge guards. Mais il préfère garder sa distance et utiliser les éclairs. Je crois pas que le contrôle de ça, il est bien. Gamman Style, très fort son King K. Roll. Désolé. Juste avant cette action qui a un peu de délire, il se départageait avec vraiment 2% chacun, quoi. C'était un délire. Faut que j'augmente un peu ton volume. Ouais, j'ai pas pris mon micro, j'en avais pas envie. Yep. Raison valable. Non mais mon ordi il est trop loin. Avec un microphone professionnel. J'espère que t'as le seum. Non c'est pas vrai. C'est moi qui m'entends bien. Bon alors voyons voir qu'est-ce qui se passe dans la game. Gamman Style qui est très en difficulté là. Bon après c'est vrai que c'est un personnage assez lent. Et que ouais, Ness est un personnage un peu plus rapide et qui peut un peu mettre la pression avec les attaques et surtout qu'il y a un très bon edge guard avec, avec son Thunder qui peut rester en sécurité alors que King K. Roll doit s'approcher. Ça risque d'être compliqué pour Gamman Style de faire des plays. Ça va être un challenge ouf et je vais bien jouer contre le Ness de Waikai Maimoimoi après. Je vais voir un peu comment c'est. En fait, avec tout le gros personnage, Ness, c'est un délire. Bah, peut-être après, moi j'ai bien envie de jouer contre l'interno là. Tu sais. Et puis peut-être après, alors, tu pourras jouer tu avec. Tu m'accordes le fight contre. Ah non, tu pourras faire d'abord ou. Non, on fait facile des 2v2. Tu pourras le faire après, tu pourras le faire après. Ah, peut-être, oui, c'est vrai ça, on pourrait peut-être faire des 2v2 à un moment. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, il met 5, je crois. Non. Parce que moi j'ai peut-être envie de faire un match avec l'interno pour voir un peu ça fait un peu longtemps. Vas-y je vais prendre Little Mac. Et puis pendant ce temps tu peux faire commentateur tous comme d'hab. Tu sais, tu t'y connais, t'es nouveau au job, t'es un interne. Et puis si vous voulez vous amusez à faire des commentateurs dans le. Ouais là on peut commentater. Oh GG. Nice. Crocodile. Ah merde, ça se voit pas. Attends, elle est où ma cam? Elle est là ma caméra. C'est genre, faut faire un pouce là. Genre, attends, là. Mais en plus, il y a mon micro dans le. Aïe merde, j'ai cogné mon micro. Bon bah, ok, comme ça. Pouce. Oh, attendez, pouce là, Alcris contre l'interno ou moi contre Alcris contre l'interno. Let's go, je joue contre lui. Oh. Go sérieusement avec King K. Roll, Albinos. Mais en plus, tu. Vas-y, tu recopies mes skins blancs. Man... Bon, en même temps, il y a une couleur dans l'alphabet. Moi avant, je prenais le rose, il est encore plus moche. Il est horrible le rose. Allez, la mocheté des personnages. Pour le coup, c'est pas lui, c'est vraiment dépecé le délire. Let's go, let's go. Je prends là. Après, peut-être tous contre Wakami et après, on fait des 2v2. Ok, vas-y. Mac. Gamman, tu peux faire un match avec mon Kevin? Je regrette, les gars. Gamman, tu peux faire un match avec mon Kevin? Gamman? Là, il y a un problème, les gars. Gabman. Gabman. Non, oui. Yaka. Non, Gabman. C'est quoi les gars? Non, mais les gars, attendez, là. Est-ce que vous êtes toujours sur le stream, en fait? Je sais même pas s'ils sont dans le stream. Oh, Chris, là, tu fous quoi? Viens. Et Waikai Mai. Non, mais oui, ok, mais. S'il te plaît. Attends. Voilà. On peut envoyer. Tu veux. Oui. RMSH/. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Bon, écoute, vas-y, on fait un match à 4, vas-y, écoute. Vas-y, je suis avec toi, le Christ. Oh, attends, on peut mettre. Tu sais quoi, viens, on fait des 2v2 maintenant, genre. Oh, bon, tant pis. Oh là, vous voulez. Compliqué. Les gars, vous m'entendez là? Vous êtes toujours sur le stream ou vous faites quoi? Je t'entends très bien. Je vais disparaître. Non, mais au pire, les deux là, suicidez-vous et comme ça, c'est bon, non? Je sais pas. Oh, le délire. Oh, mais quoi? Je parlais pas à toi, non, mais je suis mort.
Ah ouais, non, moi je propose qu'on fasse une alliance entre les deux là, même si on n'est pas en équipe. Y a que moi qui ai vraiment genre une demi-seconde de décalage. Dans le stream tu veux dire? Non, ah non ça va. Non c'est bon. Non mais en fait pendant un moment et bah je me suis suicidé Oh non. C'est pas un personnage de Rumble, c'est de... Oh putain je me suis suicidé de fort. Je vais gagner les gars. Moi je fais confiance. Ouais, let's go, j'aurais buté deux en un coup. genre vraiment, j'avais donné un coup et l'autre. Oh bah, il m'a spike. C'était un parcours. Par contre, gros, je suis en comeback, je me suis même pas fait toucher avec les. Non! Non! Oh! Let's go. Non mais pas moi. Mais tout le monde, je me suis suicidé deux fois, c'est normal. Putain, oh, tu peux, mais comme de ouf là, on va rentrer. Là tu peux gagner là. Ah bah non, mais non, bah non, pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon attends, c'est quoi qu'ils disent là? Il était malade. Non! Il était malade là. J'ai mis les résultats, merci de le reconnaître, je mets un spec, oui. Vas-y, attends, je peux le faire. Par contre, j'ai fait tellement de kills, mon gars. Oh merde. D'accord. Oh, allez, gros, j'étais suicidé deux fois au début et tu gagnes. Wow. Attendez, regardez le nombre de kills que j'ai fait. Boum. On est en live. Ça va. Bon, j'étais annulé. Bonjour. Chris. Wow. J'en ai fait 620 et c'est 30. Bonjour, vous m'entendez? Non mais écoutez-moi bande de gens. Bonjour. Il est mort Gamnum Style. Mais est-ce que je peux faire un match avec mon Kivé? Puis après tous fait un 1v1 avec le NES de je sais plus qui là. Je me bats contre le NES, dégagez tous. Okay. Non, le NES, t'as pas compris. Bon, vas-y. Mais non, arrêtez. Je vais me battre contre le putain de NES. Bon, vas-y, c'est Wakaimi. Wakaimi. Ça, je peux même pas choisir mon stat, les gradins, ça m'énerve. Je veux faire un match avec Kirkby. Je veux faire un match avec Kirkby. T'as vu comment il a éclaté tout le monde là, t'as aucune chance. Aïe aïe aïe. Non, par contre, je comprends vraiment pas comment je gagne. Ouais, moi non plus, mais c'était magnifique. Genre, j'ai l'impression, ils sont en vocaux les deux, ils se sont dit, eh, vas-y, on va se laisser faire. Non, pour vraiment, j'ai pas capté. Genre, j'étais à 100% en fin de game alors que j'étais au début. Enfin, je sais pas, c'est. T'es en train de te faire pour le fait que t'es mort. Vas-y, on va voir. Donc là, c'est Toast versus Wakaimi, ok. Alors, oula, je sais pas comment ça a fait pour être aussi boosté le. Le Hubby. Par contre, alors fais gaffe, Toast, parce que son. Le. Back throw de Ness, il est violent. Genre, si t'as beaucoup de pourcent, t'es basiquement mort. Okay. Est-ce que là il meurt là? Je suis avec Pokémon Lumière comme Monkey. Je sais pas, mais bon, en fait, justement, c'est pour ça que je joue avec Monkey V là, vite fait, ok. Ouais, et une fois que je joue avec Monkey V, je peux attester et tout. Oh, trop stylé ça. Donc, prochain match, si vous me laissez jouer avec Monkey V, je pourrais l'exploser vite fait, pas vrai. Mais ouais. Voir un peu comment il joue et pouvoir te donner une note sur 25. Pep à la banane avec du chocolat. Ouais, c'est chaud. Hein. Donc alors, qu'est-ce qui c'est qui gagne là? C'est tous qui gagnent. Ok, tous pas mal. Ok. Boost maîtrise bien. C'est il joue que King Didi depuis. Ça fait combien d'années qu'on attend? On était à le 2. Ça fait 4, 5. Ça fait 6, 7 ans. 6 ans un peu. 8. Non, ça fait 6 ans un peu, ouais. C'est un délire. Je suis
Je pense, ouais, je pense que ça doit faire 6 ans, genre c'est vraiment la dédication à Kobe. Il a vu, je pense, si je regarde la liste des personnes qu'il a joué, je suis sûr que bah, dans ses stats, tu vois, il y a au moins genre, dans mes stats, bonne, alors je... 3, de 3 à 10 persos, genre, qui n'ont pas été touchés une seule fois, genre 0 minute jouée. Vraiment, non, mais je jure, j'ai joué quoi, 3 persos, 4, peut-être 5, ouais. 5 au max. Genre, à un moment, il avait une petite phase où il jouait un peu avec Kirby, peut-être un peu avec Meta Knight, tu vois, parce que lui, t'as vu. Et peut-être un peu de Pichu, Little Mac des fois, un peu plus récemment. Non, plein de fois quand même. Hein. Et je crois. Sous Pichu, Théo. Je crois que j'ai pas vu grand chose d'autre. Quoi. Qu'est-ce moi, les seuls persos que j'ai pas touché, genre, c'est certains reskins de d'autres personnages, genre. Et 2-3 persos DLC, genre par exemple, j'ai pas touché Sora, j'ai pas touché Sephiroth. J'ai pas touché Pyra et Mithra. Ah. Pyra et Mithra. Bon, moi, j'ai été touché. Laisse-moi jouer avec lui, s'il vous plaît. Mon poteau. Venez, les gars, venez. Je parle pas à Alcris et Zinterno. Je parle aux deux autres. Venez, ouais. Les gars, on les laisse. Ouais. Oui. Let's go. Tu vas totalement m'exposer avec Little Mac. C'est pas du tout un bon. Je suis Attends, par contre, il y a moyen des 30 premières secondes. J'ai un décalage de 0,5 secondes sur mes commandes. Bah oui, mais ça, c'est parce que t'es en 4G. Ta faute, quoi. Après, Gundam, au moins, tu nous fais pas laguer. Attends, je vais essayer parce qu'après, c'était très bien passé. Ok, ça passe moyen. Mais j'espère que ça ira. Vas-y, on va faire on avec. On va sauter. Oh. On va faire pas sauter. Petit Mac. Jamais faire ça, normalement c'est fou que quand tu break shield, mais vraiment aucune autre raison quoi. Aïe. Non. Oh, pourquoi j'ai même pas eu de Hunters? Yikes. Ok, pas mal. Ok. T'es un peu rapide en vrai. Ok, tu sais quoi? T'es bon sur le sol, donc je vais me mettre dans les airs, bordel. Moi, laisse-moi jouer un peu. T'es bon sur le sol, évidemment, tu parles à Little Mac. Oh là. Par contre, j'ai une alarme de jeu là, il faudrait que... Salut. Oh non. Non, mais quel nul, pourquoi j'ai fait ça? Bah par contre, t'as pas joué King Kero pour que je puisse tester, mais bon, c'est pas grave. Non. Oh. Oh, attends, faut que je me concentre par contre. Attends, c'est pas bon du coup, là ce que je suis en train de faire, je fais que de la daube. Je fais que de la daube. Faut que tu me respectes un peu plus par contre. Moi aussi, faut que je te respecte un peu plus en vrai. Non, mon dieu. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Petit Mac, avant de faire un 2v2, on va faire un contre Gundam Style dans King Kerrul. Ah, oui, c'est vrai, Gundam Kerrul. Là, c'est King Kerrul. Là, tu pars et Gundam Style, vas-y. Vous voulez faire un double King Kerrul? Ouais, là, il a dit. Donc moi je vais lui faire comprendre que non. Let's go. Alors laisse-moi prendre
Crinkle. Putain, heureusement que c'est pas mon gagnant. Le gagnant reçoit le prix de 1 euro en pièces. Bah, let's go, hein. En pièces rouges. Si c'est Gab. Si... Ouais, en pièces rouges. Du coup, si c'est. Comment faudrait que je fasse des tournois avec genre des cartes cadeaux Steam à gagner, genre. Mais pas maintenant. Là, vous jouez pour l'honneur. Quoique, je veux bien si tu fais des concours aussi seulement toi et moi. Dans ce cas-là, j'accepte grandement les cartes cadeaux. Il y a Manstyle qui sait bien utiliser ses projectiles, son side B et son ultra B, pas mal. Le rose, et Monkey B qui utilise son tromblon comme jamais. Les deux poids lourds. Ouais, c'est ça que t'aimes bien faire. Ok, Monkey B. Monkey B qui est beaucoup plus fort avec l'aspiration du tromblon qu'avec les projectiles. Ça, c'est Gabman Style qui gère les projectiles. Bah, en fait, moi je faisais la même au tout début, genre je faisais spammer side B machin. Oh non! Yes. Ah, yeah. Pas mal. Monkey B qui sait bien jouer avec le shield. Qui essaye de bamboozle son ennemi. Oh, pas mal de la part de Gabman Style. Calcul évidemment. Yeah. Simple geometry. Ok. Monkey B qui essaye. Oh, le spike satisfaisant, juicy. Parfait. Ok, non. Là ça va être compliqué avec les projectiles qui touchent le sol, parfait. Monkey B qui va essayer d'edge guard, non. Ça ne marche pas. Monkey B qui donne beaucoup de stage control à Gabman Style. Maintenant c'est retour à échange de projectiles à la distance, par contre c'est intéressant. Ça n'a aucun sens. Ok. Peut-être pas. Échange de neutral un peu sloppy de la part des deux. Salut. Je vois que le shield de Gabman Style est un peu cassé. Donc si t'arrives à lui faire un coup dans son shield quand il fait un move, genre une smash ou quelque chose, tu lui fais un shield break instant. Ça peut être une technique à exploiter. Ok, pas mal le reflect. Smash attaque préparée, mais Gabman Style utilise son down B. C'est commenté un peu plus intéressant quand même. Au début de la game ça allait. Ok, les échanges des mêmes attaques là, les deux. Qui sont à fond, qui ont les mêmes idées. Ok, Monkey V qui a un peu d'avantage. Mais de pas. C'est quand même faisable pour Gabman Style, mais il faut vraiment que Gabman Style là. Tu réduis vraiment juste. Arrête! On vient de perdre chez Vixil, mec! Ok, attente un peu sloppy de la part des deux de faire des attaques. Ok, projectile de la part de Gabman Style. Monkey V, il faut qu'il touche le sol. Oh là là, lui là! Eh, je te jure, je vais le. Rien, les menaces, c'est pas ouf, on m'a dit. Ok, Gabman Style qui commence à rattraper un peu la game. Monkey V qui commence à suer là. Peut-être que garder sa distance avec les projectiles. Ouais, non, en fait, je suis juste en train de faire comme lui, quoi. Je suis un connard. Oh, pardon, non, je suis. Ok, Gabman Style qui réagit avec le down B. Ok, Monkey V qui fait une esquive mais qui s'ouvre à un combo. Là, c'est assez tight, mais Gabman Style est à un coup d'être mort. Une bonne smash attack. Ok, ça commence à s'égaliser. Monkey V qui commence à suer là. Oh, mais Monkey V l'emporte quand même. Monkey V garde son calme. Et arrive à aller une bonne smash attack. Ah ouais, les 2v2, let's go. Bon. Comme Karkipik a su prouver qu'il était le meilleur des kings. Le meilleur king qui roule, je propose qu'on fasse un 2v2 à 4 et que Gabman Style spectate en attendant. Je veux dire. Fallait prouver. Voilà, fallait. Oh non, ça aurait été trop drôle si on avait lancé là. Attends, bah non, attends. Faut que je règle le truc pour qu'on fasse des 2v2. Faut changer les règles. Attends. Katata, one, team battle. Ok, loser leaves. Ok, ça marche. Bon. What? Chris, let's go. Smash. Alors, quelle équipe? Qui c'est qui se met? Quelle équipe? Oh là, vous avez OK, déjà. Moi,
Moi j'ai fait OK direct, moi c'est un réflexe, je suis désolé. On c'est bon. C'est ça, ok let's go. Ok, bon ok, bah, c'est parti. Moi je suis avec Tousti. Ouais. Tousti, let's go. Good luck. On les explose. Par contre, faut que je boite, toi caca, il m'a battu la dernière fois, je pense. Alors je crois, je sais pas s'il y a les, j'espère qu'il y a le team attaque, je sais pas quoi là. Oh non. Bah c'est oh ça. Non. Ah je crois qu'il y a pas le team attaque, c'est trop. Let's go, ouais, let's go les projectiles, les projectiles. Attends, je veux juste essayer de frapper vite fait. Tous. Ok oui, ouais, tu peux me frapper, ça marche. Oh, bien, bien, bien. C'est un peu la merde par contre. Faut que je l'ai attrapé, mon regarde mon écran. Aïe, fais gaffe par contre, tous, on peut s'auto-attaquer. Donc faut qu'on fasse gaffe aux attaques qu'on met et où est-ce qu'on les met. Ah, fais gaffe de retourner là. C'est ok, fais gaffe tous parce que tu me touches beaucoup avec ton gordo. Écoute, c'est toi qui as mis les règles où on peut se toucher. Donc non, mais oui, non, mais c'est bien, il faut juste faire gaffe. Il faut juste réfléchir. Mais je voulais tout à l'heure que tout le monde crève là. Alors, t'as quand même balancé le marteau en plein dans ma gueule, faut faire gaffe. Wakami, il a l'avantage, faut qu'on s'occupe de lui. Pardon, Wakami. Je focus Wakami. En fait, je connaissais la hitbox du coup. Ok, Wakami, je le garde plutôt pas mal. Faut juste que je lui fasse un petit coup là pour qu'il meure. Oh non, non. Ouais. Nice, Wakami. Ah. Ok, ok. Alors, occupe-toi de. Je te laisse balancer tes cordes. Ok. Ah, je vais essayer de me mettre de l'autre côté, comme ça on les encercle. Non, mais j'arrive pas à faire un F, c'est ma chose. Attends, je vais essayer de. J'ai besoin d'aide un peu sur Wakami parce qu'il est chiant. En vrai, toi tu débrouilles bien avec Wakami, moi je m'occupe de mon Kiwi. Ah, tu débrouillais bien avec lui. Ouais. Attends, je t'aide avec mon Kiwi. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai failli mourir. Ibidi Slap, t'as la ref, je suis. Franchement, elle... Slap? Ouais. T'as la ref normalement, mais c'est vrai que c'est ça doit être très drôle. En mode. Tu sens en mode. Ah, on se fera bien, machin. C'est dans la musique. Désolé. De. Ok, ouais. Oh non, j'aurais pu le prendre. J'ai manqué mon opportunité. Oh mon dieu, je me suis fait toucher. Wakami, il a toujours l'avantage, mais encore une fois, je peux ledge guard un peu vite fait. Non, non. Bim, yeah. Easy peasy. Oh, vas-y, envoie-moi mon Kiwi. J'aurais dû l'envoyer vers le stage, j'aurais pu le combo. On a tous une stop. Yep. Ils sont un peu sur moi là, tu m'aides. Par contre, avec Wakami, on n'est pas en 2v2 là. Yep, bah, parce qu'on je sépare bien là. Surtout moi, on est. Ça empêche de collaborer. Surtout moi, on est pas en DVD, ouais. C'est pas genre cette sabot. Ok. Peut-être besoin d'aide un peu avec Wakami. Okay. Ça me fait un peu peur. Ok, il s'approche de toi, je m'occupe de lui. Yeah. Oh merde, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils sont en train de nous rapprocher. Ok. On voit plus de Gordo, c'est bien les Gordo. Je m'occupe de mon Kiwi maintenant. On switch un peu parce que toi t'es meilleur sur Wakami en plus. Oh non, je voulais vous attraper tous les deux. Attention. Ouais. Bon, je suis de retour sur Wakami même si c'est pas très pratique. Mais t'as attrapé. Oh non. Oh non, je suis nul. Ok, ok, parfait. On s'occupe de Wakami. Parfait, 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 parfait. Attention. C'est pas moi. Vas-y, okay. Non, 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 ok. Bon, ça, ça va être ultra galère à faire par contre. Non, 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 sors d'ici, t'es tout bon, toi. T'es con. Non, non, pas comme ça, non, pas comme ça. Non, non, c'est pas cool. GG Wakai. Avec une macro. Ouais, je vais vous laisser pour ça. Ok, vas-y. Aïe aïe aïe. J'espère qu'Aladin il s'est pas juste barré en disant je vais vous laisser pour celle-là. Ça, il s'est vraiment juste barré, mais il est con quoi. Mais non, mais attendez. Oui, c'est les gens qui spamassent, spamatent.
Quelle équipe qui fait quoi? Link, ok, bon bah je suis avec quoi Kaïmon. Vas-y, voilà, bon, bonne Gabman chance, style, je parlais à mon qui. Gabnam style. Aïe 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 aïe. Alors, je suis avec qui déjà? Ah oui, avec Wakami. Aïe. Alors, Wakami, voyons voir comment on peut s'organiser. Toi, t'as des bonnes attaques, moi j'ai des bons combos. Moi, je m'occupe de rester sur le stage et toi, tu peux faire les combos en edge guard parce que t'es bien en edge guard. Comment ça a lagué un peu par contre? Vous avez ouais, peut-être pas une très bonne connexion okay. Entre vous deux, Wakami et Gunman. Ouh! Avec le footstool! Incroyable! Yikes! Alors, fais gaffe à moi, Wakami. J'ai vu ça, Gamma. T'as cru que tu faisais peur à qui avec tes bombes? A savoir que tous, lui, sa manière de collaborer avec ses coéquipiers, c'est de le dire pousse-toi, il est à moi. Voilà, juste au cas où vous êtes trop. Donc là, c'est qui gagne? Alors, Wakami, faut que je te défende un peu mieux parce que t'es en train de te faire un peu exploser pendant la compétition. À la fois, c'est avec Théo. T'as failli me mettre un piqué flash par contre. Par contre, c'est qui Théo? Moi, je m'appelle Toast. Ah, oui, oui désolé, désolé, bizarre. Tout Steam, mon poteau. Mon poteau anonymous. Avec un Théo, il est trop bizarre. Ah non! Ok, bon, ça va, j'ai encore une vie. Par contre, ils ont vachement l'avantage, c'est pas bon ça. Ah, oh, vas-y, c'était trop stylé. Ouais. On est qui là? Ah, bah, je suis 1v2 avec 4 vies à m'occuper, c'est ça? Génial. Ouais, R, mon gars, c'est R, c'est le minimum. Allez. Une balle de badminton déjà plumée à l'ancienne. J'aurais pas dû faire ce move. Non, en vérité, vous êtes tous les deux des pigeons. Ouais. C'est marrant ça. C'est génial. Collaboration. Il y a un autre pigeon dans le jeu. Je sais plus. Alors si on peut. Moi, il y a un mode que j'aime bien, c'est genre quand tu meurs. J'aime pas le fait que t'aies 100% de vie. Moi j'aime bien les jeux où genre quand tu meurs et tu récupères un autre perso. Parce qu'en fait moi je joue trop de perso. Et j'aime bien. Et surtout je m'ennuie hyper vite. Et donc si je peux changer de perso entre les vies, ça me ferait rire. Ah, c'est vrai que tu peux, t'as un bouclier. Et tu peux te déplacer en mettant le bouclier, calme-toi. Ouais. Comme Namsai, si tu marches, le bouclier reste. Non, non. Bon, j'ai quand même réussi à leur enlever une vie chacun. Je suis vraiment... Ouais, je suis pas mal, je suis pas mal. Moi, ouais, je vous ai annihilé, bon. Non, je rigole, en fait. Il l'a annihilé. Je vous ai démol. Alors, laissez-moi venir. Attendez, merde, je me suis pas mis. Quelqu'un veut partir du truc? Moi, je vais avec Aladdin. Vas-y, vas-y, je pars. Aladdin, c'est dans Disney, Aladdin, je suis con, quoi. Bref. Donc, vas-y, moi, je dis Wakaimi, Gikamistril, Badibilou, contre Tousti et Karki, Kraki. Ça n'a aucun sens. Bonne chance. Bonne chance à tout le monde, sauf Wakaimi et Gamnam Style. Yes. Aïe, aïe, aïe.
Alors j'espère que... Ah mais en plus il m'envoyait des techniques dans le chat, bah oui, bah moi je... Oui c'est vrai que c'est plus compliqué si on est en vocal parce que... Comme je suis en game, je... Alors attends que je commande cette game épique, vas-y, les deux amis d'enfance, là, les deux équipes d'amis d'enfance. On a d'un côté deux poids lourds, Toast contre Monkey D, et d'un autre côté, des Project Gamma Style avec Wakaimi, des gens qui prennent des persos. Ah, j'ai rien à dire sur ces persos, c'est juste des persos. Donc, qui c'est qui a l'avantage? Là, actuellement, actuellement, Wakaimi et Gamma Style arrivent à garder leur pourcentage assez bas. Ouais, vraiment. Allez, boum! Un peu plus d'avantage, mais là ils sont tous les deux en offstage et là Monkey V avec son down B qui arrive à bien à renvoyer les attaques alors que tous utilisent ses Gordo pour mettre de la pression avec des projectiles à la distance. Ouais, t'aimes bien c'est une boule. On voit que tous et Monkey V ont un peu plus de synergie ensemble. Yes. Quoi? Bon, actuellement les scores sont assez égalisés à part tous qui a un stock de plus. Là on voit deux combats séparés qui sont en train de se passer entre Gamma Style et Monkey V et... Merde, désolé. Non t'inquiète. Oh non j'ai fait. Je suis un peu en retard, hein. Le temps que je fasse des commentaires en fait ça passe, genre faut que je fasse j'ai un rythme correct. Non, je me suis suicidé, j'en peux plus. Ok, donc là Monkey V qui a clairement le désavantage. Mais ça peut être rattrapable parce que Wakaimi et Gamma Style ont beaucoup de pourcents dans ce stock. Et puis tout ça a quand même l'avantage parce qu'il y a deux stocks et pas beaucoup de pourcents. Donc là, c'est juste question de bien gérer ça et d'arriver à dispatch Wakaimi et Gunman Style. Nice, 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 ok. Maintenant, il faut juste s'occuper de Wakaimi et puis on sera encore, vous serez encore à égalité. J'adore ça. Allez. Ah, ok, la double aspiration, intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est un peu chaotique là ce qui est en train de se passer. En tout cas, tous a toujours l'avantage, toujours ces deux stocks, mais ah oui, normalement il y a beaucoup de pourcents, mais ça passe. Bon, là, c'est un peu égalisé, les deux équipes ont à peu près le même nombre de pourcents. Mais clairement, tous des Gamma Style qui ont beaucoup moins de pourcents et peut-être qu'ils vont réussir à rester à la fin de la game. Il est chaud, Wakai. Bah, Wakai il prend Ness donc oui. Ouais donc, ok. Vas-y, au revoir. Oh, ça c'est prédit ça, ok. C'est vraiment. Oh, on save, celle-là on la save. Hein. Attends. Slash marker. En gros, ils se sont envoyés des smash ça. Ouais, ouais. Mais ça c'était vraiment BG quand même. Ok, mystery. Yep, donc apparemment Wakaimi qui s'est fait tuer deux fois par Gamma Style. Moi j'ai que Gamma Style qui veut 1v1 quelqu'un. Moi je l'ai tué 3 fois. Est-ce que par hasard je peux 1v1 Gamma Style? Vas-y. 1v1 Gamma Style. Donc Gamma Style il prend quel perso déjà? Attends, il prend Link. Il prend Link. Ouais, ok. Il devrait aller. Bon, Gabman Style, je vais essayer de te ratatiner. Alors, rien n'est assuré, mais bon, moi je te sauve quand tu te fais grave avec mon Picket Fire. Ton Picket Fire, mec. Il t'a sauvé avec son Picket Fire et t'as rien à lui dire. Genre, pas de merci, pas de rien. Le fameux Picket Fire. Ils sont en train de se fight, enfin, ils se sont fight les deux là. Oui. Mec, moi je suis un meilleur ami, toi t'es pas un bon ami. Clairement, la synergie entre. La synergie entre tous et Karkipik est clairement plus efficace. Ouais, parce qu'ils se posent pas trop de questions sur la game, ils sont pas en train de rager, ils jouent juste comme ça au feeling. Non mais on dit tiens, prends, vas-y, merci. En vérité, j'ai pas vu, mais concentration, quand on me trash talk dans les coms quand je faisais que de l'enchaîner, quand on était ensemble. Je sais pas, ça va. Bah, c'est-à-dire que j'étais en train de jouer donc tu pouvais pas te commenter en même temps, mais. Genre, il y avait le pire moment, c'est quand je l'avais gobé et tu m'envoyais un endroit, je savais où est-ce qu'il allait aller, et du coup, je l'ai enchaîné. Alors qu'il était avec moi. Oula, c'est pas bon ça non plus. Yikes, je me fais un peu avoir par les down B. Mais ça va, ça va, je rattrape. Les down B, c'était.
cake. Piece of cake. J'ai qu'un seul tome ou c'est quoi? Bah si tu prends celui de droite et celui de gauche. Non mais oui, mais j'avais pris celui d'en haut et après j'ai fait celui de la droite et ça fait la même chose. Jouer comme ça là, la game, ouais. Belle game, belle game. Et là tu peux marcher également style. Ouais. Tu peux marcher mais cours pas. Le spam. Mais ils sont sur ton Discord ou pas, les Wakai et les Gunman? Non, mais j'ai pas de Discord. Non, c'est pas. Ouais, là, non, mais t'as peut-être Discord. Dans Winat, dans Bugu, dans Bike. Genre, rien que All Chris machin, c'est la même tête que son Twitch, tu vois, ça va plus avoir un sens. Ouais, mais All Chris Manuel, c'est pas pour. Bon, attends, là, c'est 1v1 en stock. Vas-y, la concentration. On se départage. Autre mort. J'aime bien quand ça se. Quand c'est frites. Mais vraiment, il se joue à des. Genre, je me dis, mettre un petit salon pour les Twitchers et un vocal surtout. Oh bah non, bah non, c'est ça! Bah non, parce que là, mais c'est au moins que les deux ils puissent communiquer, tu vois. Donc, ça, sera, je comprends, bah, après, après, j'ai envie de dire, tu sais, le chat il est fait pour ça, interagir avec ma chaîne, tout ça. Les ouais, stats, je sais, mais en fait, quand en tu plus, parles ça dans vraiment, le genre, chat. Trop de bruit. Tu t'imagines, genre, le nombre de gens qui parleraient d'un coup, ça serait. Non, mais peut-être juste entre eux, mais en mode. Ils peuvent même pas communiquer, miskin. Et du coup, ils sont obligés d'attendre la fin de la game pour déverser leur haine. Leur frustration de non communication. Non, mais ils se connaissent même pas IRL, ils se sont juste connus sur un stream, genre, apparemment. Ouais, c'est vrai. Bah, ils peuvent s'ajouter sur Discord s'ils veulent. Ah, non, mais là, leur relation a mal commencé, genre, ils ont envie de. Donc, ils jouent avec qui, là? Attends, ouais, vas-y, attends, je retire ma peau. Ah bah y'a Waikai Mai. Lancez pas, j'arrive. Au moins on fait un 3. Let's go. Ah bah vas-y, Chris viens alors parce que Gamman est parti. Salut Gamman Style. Salut Gam. C'était salut, super sympa. Gamman Style. Let's go. Allez, c'est parti. Okay, Wakami qui prend Mewtwo. Oui, je suis en équipe avec Mewtwo. Yes. J'aime bien Mewtwo. Bah, tu sais faire des combos avec Mewtwo, j'espère que tu sais faire des combos avec Mewtwo parce que j'ai envie de voir des beaux combos. Moi j'adore. On peut tous les deux faire des combos super bien là. Vas-y, allez, on les explose. Je renie mes amis d'enfance, je veux juste les exploser maintenant. C'est parti. Bim. Bim. Ah, par contre, alors. Est-ce que je peux mettre en. Je vais pas mettre en pause, mais genre j'ai que 5 minutes left dans ma game. Parce que j'ai activé un timer de jeu. Bah génial ça. Tu vois que je suis pas le seul à renier mon amitié d'enfance. Allez. Eh, on a fait un combo à 3 là. Vous avez vu. Je tombe dans le cul. Olé. Yes. Ça c'est parfait. Miskin pour toi mon frère. Un main up de Wii U Tsugu. Allez ça saute. Oh désolé. Pas qu'on reste au même endroit en fait. C'est une très bonne remarque ça. Tu m'as volé ma place. Dans le cul. Ouais. Salut. Oh là, c'est pas bon ça. C'est quoi le score? Ok, on a un peu l'avantage. Désolé, oh shit. Ok. Vas-y, lance la Shadow Ball. Yes. Je suis trop bête. Oula, okay. C'est pas bon ça. Je laisse jamais un bro dans la merde. Attends, reste pas là. Ok.
Papalatali, taralidou, talitalou. Je m'occupe de lui, tu peux aller t'occuper de tout ça. Allez, occupez-vous de moi. Non. Attention. Allez. Aïe, ça c'était moi ça. Oula, oula, c'est pas bon ça, oula. Ok, tous, il faut qu'on s'occupe de tous un peu là. Mais c'est chez Nico. Oula, oula, mais encore, on me retrouve à tout seul contre deux ennemis. Moi, on me laisse. Non, non, on avance, lui, te laisse encore mieux. Génial ça, l'amitié d'enfance. Non mais peut-être, non mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas sérieux là, vous jouez pas sérieusement. Je m'occupe de la mouche qui... Non, je me la laisse. T'as quoi contre moi? Non. Ah, tu m'as eu. Ah bah mec, c'était pas très pratique ce que tu viens de faire là. Tu vas te laisser faire comme ça? Honnêtement, tu perds pas. Oh non, j'ai peur. Ah oui, non, j'ai peur. J'ai cru que t'avais plus qu'une vie. Qu'est-ce qu'il fait d'une longue? Des pions. Ah non! Ok. Si je gagne là. Et rien que d'avoir dit ça, ça va me faire perdre, genre. Mate ça. Non! Non! Ok. Qui c'est qui t'avait pris une vie? Ah, mais les bas. Je sais pas pourquoi mon téléphone il fait du bruit tout ça. Ça avait pris une vie à qui? Ah, moi j'ai tué. Mais moi j'ai pas. Je suis pas lui moi. J'avais tout le temps mes 3 stocks. C'est record là, c'est en live. Là, va falloir régler les. J'ai pas pris de vie. Avant de valider, PD va. On peut changer les couleurs nous? Ah non, c'est X. Bah, je suis avec le Christ. Non, mais j'ai vu que c'était pas les mêmes équipes. C'est quoi ces excuses là? J'ai pris une vie en mode. Vas-y, faut assumer un peu. Oh, attends, on peut piquer les vies des alliés ou pas? Bah... Ah putain, il a pris une vie? Bah non, j'ai pas pris de vie, moi. Qui a pris une vie? Salut, mon pote. Ah, mais attends, là, on joue avec qui, là? Ouais, je suis avec Monkey Bill, ok. Ah putain, ok, je frappe. Oh, attends, alors 5 secondes les guys, je peux mettre en pause? Non, je peux pas mettre en pause. Attendez, est-ce qu'on peut poser juste 5 secondes? Parce que comme je suis con, j'ai activé mon alarme de je sais pas quoi, la merde, là. C'est attends, ça, disable le parental control. Le bip? Non, je crois que c'est moi. Non, là, bip là, c'est moi. C'est bon, je suis back, on peut jouer. Ok. Le team, c'est moi. Oh, wow. En mode genre moi je pique des vies, c'est que... Non mais attends, faudra vraiment que j'aille checker genre Wakami, parce que si c'est juste genre une excuse que tu utilises machin, ouais, ça fait pas bonne mine quoi. Allez. Oh non. Et boum. Yikes. C'est vrai que non, les villes là elles sont un peu short. Te tuer. Oh oh. Attends, bâtard, t'as bien agi. Tiens, allez. Hop là, je te combo. Allez mon ami. Mais non, débat avec lui là, si. Attends, moi je suis avec lui. Ah bah, un petit moment là, j'étais en train d'enchaîner. Vous savez pas avec qui vous êtes. Incroyable. Non, mais je me disais que j'étais mais avec lui. Très bien. Faut savoir que je suis le plus conscient quand je fais des bêtises.
Fuck gamers. À nous deux. Yeah. Non. Oula. Non. Pas comme ça. Si il te l'avait mis dans ta gueule, Théo, j'aurais été tellement fier. Donc t'es un peu tout seul là, mon JV. Tellement impossible. Salut. Non, j'étais où? Et donc attends, je suis en train de vérifier là. Par contre, non. Donc ok, là j'avais 0, j'avais un stock. 0%, ok, pourcent. Non mec, j'ai pas pris tes stocks. It's a big lie, moi je dis. J'ai vérifié en live, t'étais mort. Attends, t'étais mort pendant quand? T'as envoyé un message, je l'envoie là. Genre mort, juste... Ah, attends, je check quand exact... Ouais, je suis passé à un stock et après, bim, t'es mort juste après. Donc, haha. Tous, on se met ensemble, on valide. Oh, attends. Mais Wakami, il prend Ganon. Oh, attends. Je réfléchis. Il a pris Gradron. Je vais prendre Rosa. Je vais prendre Gardevoir. Je sais pas si je joue Gardevoir. Attendez, parce que... Ah, il a pas de skin bleu foncé, King Carol, ça m'énerve. Je vais prendre le skin bleu moche. Tu veux que je change de skin? Non, c'est pas. Du coup, on se met en vert. Oula. Oula. Non, attends, j'allais. Attends, les gars, mes skins. Non, mais eux deux, il y en avait un qui était machin et un autre qui était bidule, ça va pas. En quoi? Tu prends quelle couleur? Tu fais quoi? T'es qui? Moi, je dis, t'as mal vu machin. Moi, je dis, ça se trouve juste des excuses, moi. Moi, ouais. Dès que je meurs. J'assume directement que c'est juste parce que je suis nul et qu'il faut que je m'améliore. C'est plus facile comme ça, genre t'accuses pas des gens à tort, t'es pas... Et puis c'est mieux, s'améliorer ouais, c'est moi aussi. Ouais. Ça c'est League of... Anyways, donc là on est... Ok, très intéressant. Bon, ils ont plein de projectiles, mais moi je suis Rosalina, donc leurs projectiles on s'en bat les couilles un peu. Je vais leur faire des petits combos. Je vais voir si je me débrouille bien contre tous avec... Oula, pas bon ça. Yeah. J'ai la 40 façon d'être un coup là. Je te laisse un peu t'occuper d'eux à la distance. Oh, il a essayé de me skipper ce bout. Sauf que je crois qu'il m'aurait même pas eu du coup. Ah bah non, c'est inévitable. Salope. Je m'occupe de l'étoile. J'ai du mal, il y a ma mère qui passe à spi en même temps, c'est incroyablement difficile d'entendre quoi que ce soit. Oula, je suis shield break. Est-ce que tu peux me taper vite fait? Thank you. Vas-y, on se la presse. Bim! Mais pas moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi! À un moment, ça se plaint que genre je lui ai pris des vies et après ça m'en prend littéralement en me faisant une grosse smash attack, genre génial! En fait, c'est un bon personnage pour les Rumble, mais du coup, en allié, là, c'est... Ouais, en allié. Oh, je t'ai sauvé un peu. Oh, t'ai sauvé la vie. Oh, yikes. Sauvé la vie. Ça vient là. Oh non. Ah, mais non. Oh, Kaimi, on est en train de perdre, là. Pardon. Je ne descendrai pas dans ce truc. Yes. Des combos un peu. Est-ce que la couleur des étoiles ça veut dire un truc? Non. Je crois pas.
Il y en a un qui fait des attaques de feu, l'autre qui fait des attaques de glace et l'autre qui fait des attaques électriques. Il y en a un qui fait plus de dégâts. Ah mais je suis tout seul là. C'est pas pratique. J'avoue, c'est pas pratique. Tiki-da-da-tik-tok. Ah non. Ah ouais. On y retourne. Here we go. Non mais arrêtez de vous battre entre vous, c'est pas marrant. Moi je vais essayer de tuer deux personnes d'un coup moi. Toi les scènes de film. Il y a deux gars dans un bar, reprenons, et qu'au début ils sont menaçants, mais qu'il y en a un qui fait une insulte. Non, mais ok, t'as arrêté de tryhard quand t'as pris Mewtwo, mais genre, arrêter de tryhard ça veut pas dire qu'il faut que tu me colles une smash attack dans l'orteil. Ouais, vraiment, mais moi on voyait en train de préparer un hobby pour te spike à ce moment-là. Reprenons. Ouais, non, désolé. Attends. Moi je joue avec je sais pas moi. Avec quelqu'un d'autre. On verra qui okay. C'est. Attends, déjà. Est-ce que je veux garder si tu veux, je vais prendre Little Mac. Viens, on prend Little Mac. Et toi aussi tu prends Little Mac. Non mais je sais que c'était pas fait exprès, mais c'est le but en fait. C'est, il faut faire exprès de caler des attaques quand tu sais que tu vas pas toucher tes alliés, tu vois, il faut un peu planifier. Non, c'est pas entre nous, mais c'est fait exprès. Oui, bon, mais vous êtes différents, vous. Oh non. Au pire, vas-y, hein. On se fait comme ça. Non, mais vas-y, comme ça, c'est bien. Il y a un épéiste dans l'eau, là. Par contre, tu vas décoller. Ça veut dire quoi, décoller? Ça veut dire, il va partir. Non mais c'est ça non. Donc c'est tout, c'était Wakami et moi et mon collègue. Ok, facile, easy peasy. Je dois battre qui? C'est pas vrai parce que j'ai pris Kazuya donc ça va être absolument monstrueux. Ah je dois battre. Oups. Oh non. Pas bon. Oups. Trop bête. Yikes. Totalement démo. C'était qui est. Ah, c'était moi en bas. D'accord, j'avais pas vu où est-ce que j'étais. J'ai cru que c'était moi qui m'étais tapé. Oh, les deux, allez. Ah non, j'aurais tué un. Alors, les deux, ils sont deux, c'est tout au coup de pied. Les deux. What? Les deux. Je sais pas ce qu'ils avaient. J'ai du mal à savoir qui il faut que je tape et qui il faut que je tape pas. Genre. Il y a un blanc et un. Là, les personnages sont un peu. Ah oui, non, mais je sais. Mais... Deuxième KO. Yikes! Non, mais non. Oula, pas bon. Attends. Je sais pas comment on joue Kazuya, pourquoi je l'ai pris? Ouais, non, c'est un délire. Hein. Si tu sais pas pourquoi. Genre. Mais t'inquiète, on va gagner. Bah, j'espère, ouais. Ah ouais, j'espère, ouais. Ouais bon. Non. Oh non, le bâtard, il m'a eu, what the fuck. Alors, ça s'annonce difficile, mais c'est faisable. J'ai rien dit. Non. Vas-y, c'est qui player free? C'est tout, ok, ça va. Non, on peut se débrouiller là. Bah non. Bon, ok, ça passe. Et oui, ça passe. Ah, mais Little Mac, c'est trop chiant à jouer là-dedans. Ok, Wakami qui dit que, genre, quand il m'a fait la smash attack quand j'étais dans son équipe, genre, j'ai décollé et que c'était le meilleur clip. Je suis pas d'accord, moi je pense que le meilleur clip c'était quand même quand tous et Karkipik ils ont fait le combo à deux, genre, c'était assez épique. Tu peux changer sur tous si tu veux, moi je reste sur les Bombers. Oh ouais, non, moi je vais repartir sur du pingouin. Ouais. Ah ouais, là tout le monde se barre. Ouais. C'est parti, je vais prendre un perso que. Ça fait 40 000 années que j'ai pas pris Inkling. Oh. Inkling? Oh là 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 là, oh là là, non. On se met ensemble là, Aladdin? Et comme j'ai joué à Splatoon il y a pas longtemps là. Enfin, Aladdin, je me dis. Interno. En vérité, j'ai. Splatoon c'était bien, putain. C'est marrant, ouais. Faudrait que je revienne de ouf. Splatoon c'était trop marrant. Ready?
Ah ouais. Oh je... Allez, ciao. Non, mais j'ai pas validé, je suis pas le salope. Est-ce que... Ah ouais, non, merde, putain, j'ai pas... On se met en jaune, ouais. Ah, donc je suis encore avec Wakami. Ah comment. Putain, les avec un héros, surtout. Inkling, t'es avec Inkling un héros. Héros, je suis Little Mac. T'inquiète pas, mets-toi derrière moi. Incroyable. Tu seras mon stand, tu seras mon stand, tu donnes des coups, mais derrière. Putain, il est trop marrant, le robot. Bah, attends, oui, tu dis ça, mais c'est toi qui a les outils pour être à la range, mec. Alors, j'ai oublié comment jouer Inkling. J'avoue, c'est pas très pratique. Ah, c'est bon, je me rappelle comment jouer Inkling, c'est bon, je me rappelle. Je suis teinturé du cul. Non, c'est faux, je me rappelle pas vraiment, c'était un mensonge quand j'ai dit ça. Moi j'en vois des petits gordos de loin là. Non, j'aurais KO là dans son. Ah, il faut recharger son arc aussi. Ouais, avec le bouclier chez bah, moi. Bah, oh, je suis mort. Yikes. Et tu t'es pris l'attaque mourir. C'était ça, toi, sur moi. Par contre, Trunks, Ultra Instinct, machin et tout, c'est pas parce que t'as pris un perso avec une référence DBZ que c'est forcément un meilleur choix. Parce que moi, je me prends toutes tes attaques, moi, quand tu fais downbeat. C'est l'idée que je connais Little Mac. Enfin, en vérité, j'aurais fait la même. Yikes. Yes, pas mal. Yes. Putain, le seul qui chute de pas. Attention, je libère. Mais c'est vrai que les... Mais... Aïe, ok, bon. Faut qu'on s'occupe de tous un peu. Cette game, c'est ça. Oh nice, c'était bien ça. Oh là 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 là. Oh, bon, y'en a un en moi. Je suis mort parce que je te regardais faire ton KO. Ah attends, je suis tout seul contre les deux là. C'est avant moi. Non, aïe. Mais pas. Il est pas mort, regarde, il est mort. Maintenant. Putain, gros, à chaque fois que j'essaie de t'attaquer, je me prends le karma. Putain, délire. Putain, mais. Non, va, j'essaie de t'attaquer. Ah ouais. Quoi? Je t'aurais bien sauvé, mais. Ah, j'aurais pas dû. Ouais, j'ai fait. Ah, mais il est horrible. What? Ah, ouais, non, c'est le pire cette attaque. Non, mais non. C'était tellement... C'est ce que j'allais dire, mais tu m'as ôté les mots de la bouche, en fait. Incroyable. Attends, je vais mettre ma robe de chambre. Okay, vas-y. Quand on va faire des 1v1 ? En plus, ils vont trop bien ensemble, ah, les deux, là, quand je serai en rose. Quelqu'un va faire des 1v1 ? Ah, attends, dernière. Dernière match, double match, double... Selecting. Ok. Alors attends, je vais prendre un perso bien. Pourquoi vous partez tous de l'arène? Alors attends. Tu sais non, quoi? Non. Il est trop bien ton skin en rose. Ouais, t'as vu? Je le sors seulement aux belles occasions. Mmh. On va s'amuser. C'est mon skin un peu festif.
On est dans la pyjama, ça. Pyjama, moi, c'est ma robe de chambre. Ouais. Oh, il y a rose. Ouais, j'avoue, en fait, c'est plus. Ah merde, je suis con. C'est plus un pyjama. Attends, mais t'es con, hein, Beu. Ouais, je suis con, il y a quoi? Jaune. Jaune, ouais. Mais putain, vous êtes con aussi, vous, là. Vous voulez vraiment lancer comme ça? Je sais pas, pourquoi pas. Moi, je vais être vert. Moi, bah, attendez, au pire, vous deux, vous êtes ensemble, et avec Théo, on est... Moi, je suis jaune, et toi, Théo, t'es vert, ou je sais pas. I'm green. Genre, vous deux, vous êtes... Ah non. Bon, ok, vas-y, attends, je suis rouge. All Chris, mets-toi en bleu. Non, je suis nous, vert. Ah d'accord, bon, bah, waouh, j'aurai mieux. Incroyable. Ok, alors là, on se frappe pas. Je frappe tout le monde. Je suis Dikidikidikongkongkongkong. Non mais nous, regarde, nous on vient de se réveiller, vous nous avez réveillé. Regarde, on est tous les trois. Ok, mais viens, on coupe le vert. Après, s'il y a des gars collatéraux, franchement, on s'en fout. Mais... Bim, ça c'est un spike de la part de All Press. Pardon, alors là, gars. Game. Ah, oh non. Non mais attends, aussi rapidement quoi. Yeah boy. Les choses vont trop rapidement pour moi. Mais c'est qu'il en a plus d'une vie en plus. Je ne suis pas prêt à m'engager comme ça dans notre relation. Fucker. Allez, les deux. Oh, c'est un MDA. Oh non! Putain, je marche pas une stop. Je me fais, je me prends tous les trucs du monde. Non. Cette game elle allait trop vite. C'est quoi les bails? C'est quoi les fucking bails? Incroyable. Cette game elle était ultra rapide. Non, moi je veux bien faire des rounds là. Donc, si on reprend les 1v1, y a pas de galère. Hein. Oh hey, get. Tout le monde. Tout le monde. Il a fait un génocide. Attends, comment ça j'ai même pas regardé les scores, c'est genre, c'est lui qui a tout. Je écrasé. Putain, je suis en train de dire, on rigole comme des Français, je me dis dans nos pays, ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils font à leur corps vocal? Enfin, surtout moi, je rigole comme ça, c'est horrible. Mais c'est vrai, mais non. Non, en vrai, non, attends, tu sais, mec, tu sais qu'en Corée, c'est, ils rient comme ça. Et du coup, leur façon de dire qu'ils rigolent, c'est pas ils écrivent hahaha ou MDR ou XD, ils écrivent l'onomatopée que, ce qui se traduit en crrrr. Ah, trop marrant. Mais en fait, je viens d'y penser, effectivement, mais les Espagnols, ils mettent ja. Et genre, mais non, c'est parce que J, ça se prononce ha. Ça se prononce. Moi, je me dis, ils écrivent différemment, mais ça se prononce de la même manière. Du coup, là, ah merde, je suis avec quoi, gars? Ah merde, je suis en équipe? Je suis en équipe, en fait. Bah oui, mais arrêtez de me le coltiner à chaque fois, genre, ça se fait pas. Je suis avec gars. Je suis mon coéquipier ou pas, alors? Je le fais et après, je demande. Tu es mon ami, ou pas? Non, t'es avec le fils. Oh non mais oh. Merci. Bonjour Manier. Putain mais ça fait des petits dégâts ton petit cachet. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait, je sais même pas. Yay. What?
Putain mais ouais. D'accord, j'attendais sur le truc. Bon, à tout moment là, j'ai même moi, il y a eu des trucs qui m'ont aidé. Mais non, mais bien sûr que non, évidemment que non. Oh là là. BG. BGAX. C'est vrai que j'ai un pistolet, moi. J'aime bien. Désolé, Tosti. Solo Tostito là. En plus, tu as retiré 4 stocks, sa merdasse. Oups. Bien ça. Bien, je reprends. Parfait, parfait, tu m'envoies pour aller le combo. Ah non. Ah, t'es bête. Oh, let's go. Oh, ah, c'est pas bon ça. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire, Tris. T'inquiète, t'inquiète. Non, putain, je suis trop con. Moi, j'arrive pas à me sortir de ça. Oh là là, la vulgarité. Non mais oh. Oh. Non mais hey, y a pas de tout. La galerie du tilou tilou. Oh, c'était pas bon ça. Je galope. Ça va, tilou. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je vais lui mettre des patates. Ah, Aladdin. Je sais que je suis dans l'équipe de Chris, mais Aladdin, tous sont trop droits, c'est pas ce que je veux dire. Putain, mais va là-bas. Non. C'est vrai que j'ai des bombes, moi j'ai complètement zappé que j'avais des bombes. Non, le compteur. Non mais. C'est pas possible. Oh non. Non. Yay. Oh, GG. Nice. GG. Yo. J'aime bien Inkling. Ouais, reprends-le, il était mort. Vas-y, je vais changer de perso un peu là. Je regrette, mais en fait, j'ai aimé. Ça me donne envie de manger. Putain, il est quelle heure là? Putain, j'ai pas à manger. Je vais prendre Marth, parce que Marth c'est le best boy. Marth le best boy. Du coup on fait des 1v1 ou c'est quoi les boys? Je sais pas, c'est vous qui voyez. J'ai trop vu de personnages d'animé là, ça m'a énervé. Ouais. Ah c'est vrai là. Je pensais que tu parlais de moi. Ah c'est animé versus Fury. Et après c'est des moelles Fury à ce qui paraît hein. J'ai une phobie sur les personnages comme ça, j'arrive pas à les main. Bon, en fait, ça pourrait très bien, mais je sais pas, il merde. Faut d'abord qu'il y ait un feeling entre moi et le perso. Y a pas le feeling. Ah, allez, mon pote. Ah non, mec, t'as failli me spike. Watch out. Y'a pas. Non, ça me fait grave des pourcents en fait. Non, je casse le truc. Mais Si à la fin, on est tous les deux et qu'il reste un gars et que ça me prend avec MDR, et on lui montrera un coup. Okay.
Ok, ok, ils sont un peu en train de démo et... Ah non! Yikes! Non, 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 Wakani! Ok, ok. Bon, ouais. Non, faut qu'on les garde tous les deux en dehors du stage, de préférence. Bouge pas le coup. Je suis content de penser que j'ai une stock et en fait j'en ai deux. C'est notre problème. Fais gaffe, fais gaffe. Oh ta mère. Oh putain. Tu viens rêver et tu penses que t'as plus beaucoup de temps à dormir et tu regardes l'heure et il est 5h. Ouais. Ok alors attends. Non. Ah mais non, j'étais tout seul contre vous deux encore. Je suis trop con. Désolé, j'étais ailleurs. Pourquoi à chaque fois je suis tout seul contre vous deux et vous avez plein de stocks? C'est impossible. Désolé, j'ai pas. Et moi aussi j'étais tout seul contre vous deux et j'ai failli vous battre. J'ai même pas le temps de calculer ce qui se passe. Bon, et tu sais quoi, autant si je joue tout seul, je vais prendre un personnage qui est bon quand tu joues tout seul parce que c'est pas. Bah, c'est pas possible. On retire les règles, on fait des rumbles. Hein, à chaque fois je joue tout seul, genre. Ouais, ouais. Mais tu joues tout seul avec Théo, on n'essaie pas de trop... Juste quand on voit le. Mais oui, mais en même temps, vous faites exprès aussi, c'est pas... voilà quoi, hein, voilà. Mais en même temps, c'est difficile de communiquer avec le chat, j'imagine. Ouais, Kamikia. Attends que je vois... Eh, mais en plus, tu peux même pas activer les micros sur le salon. Non. Ouais, parce qu'il faut l'application pour ça. Oui, oui. Oui, est-ce oui. Que je prends lui là? Salutations. Impression. Attends, c'est quoi tout? Tous. Ah oui, c'est bonjour. Pourquoi tous c'est bonjour? Ah bah ouais, il y a du. Il a dit Go Rumble. Same here. Go Rumble? Et c'est Rumble là? Bah il a dit. Ah, c'est Rumble ou pas? Bah on met tous une scène différente quoi. Ah, ok, d'accord. Oh le bâtard, il a pris ma couleur fétichisme. Allez là. Voilà. Je te domine de par ma couleur. J'ai pris le bleu, ça va. Ah, j'aurais dû prendre le vert. Passe. Ah, le bâtard, il a pris vert avec le skin vert. Il a gagné. Pourquoi est-ce qu'on focus tout le monde vert sans distinction. Ah, je suis. Il y a des dégâts là. Je sais même plus où est-ce que je suis. J'ai une super grosse. C'est à ça que ça sert un écran, Olfris, pour regarder son écran. Incroyable quoi. That make no sense. Yeah. En fait, je fais beaucoup de dégâts, mais je ne suis pas assez. C'est pas très marrant. Alors, j'aurais dû te mettre des petits coups d'attaque là. Oh putain, yay. Non. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce charabisme? Oula, c'est sympa ça, chérie. Ok, ok, simple. Simple, c'est spammer des boules de feu de l'autre côté du stage. Non, ça c'est trop compliqué encore. Je suis en train de tout récupérer de mes amis. Et hop là, ça dégage. Merci, WhatsApp. Oh.
Mais non, mais je fais combo à 40 000 degrés du stade. Viens là. Ouais, putain, d'accord. Je vais te descendre à un stock au moins. Oh là, il a fait me toucher lui. Oh, voyez moi je me casse. J'ai trop la peine de brainstormer dans tous les sens. Non, 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 non. Je te laisse. Allez. Oh ah. Franchement, j'ai fait beaucoup de dégâts, je crois. Bon, on verra. C'est trop con. Okay. J'oublie à chaque fois qu'il a la même attaque que le héros. Et du coup, il y a des fois où je change un perso. Oh non, c'est de la merde. Ah, et j'ai plus de dégâts, mal. Ouais, de ouf. Et, mais j'étais full tué. Probablement, ouais. Y a personne ici est capable de me tuer à part toi. Attends, je change de perso, On met en rumble, en fait on peut aller de au hasard et si on est concentré à calculer, il faut prendre pas les mêmes couleurs. Ou sinon, moi je suis chaud, Wasabi et All Chris, vous vous mettez ensemble. Ouais, et nous on se met de différentes. Ouais. Ouais, exact. Ouais, je disais pas en mode... Et on peut se rouvrir maintenant. Ah d'accord, ah, le bâtard il se fait un petit peu bouddhisme. Allez. Non, putain, mais attends, bâtard, je me suis pas baladé. Moi je t'ai laissé tout ton temps, je t'ai regardé en jaune et je disais bah vas-y, valide-toi, connard. Ah, ils veulent pas. Si, ils veulent, ok. J'ai cru, enfin, ils nous a dit c'est pas égal, mais. Vous faire goumer. Mais après, ah, oui, okay. Disent, okay, il a pas les stats lui. Je crois que j'ai pas perdu depuis, hein. Non, depuis un petit moment, je crois que je fais que de gagner. Bon, on a enchaîné les deux combos. Ah ouais. Bon, de toute façon, c'est comme si on jouait en Rumble encore. Je m'attends pas à... Non, ouais, le truc qui serait bien, Chris, c'est que tu changes des règles pour que... Oh, non, mais je suis trop con. Non, mais c'est mieux comme ça, tu vois. Genre, c'est mieux de pouvoir planifier et de pas attaquer ses ennemis. Mais après, c'est compliqué pour Camille, c'est que de faire ça. Il y a pas une seule fois tu te dis, wow, trop stylé, le fait qu'on puisse attaquer, ça a fait tellement un truc cool là. T'as jamais dit ça. Toutes les games où t'as... Non, mais je sais que j'ai jamais dit ça, mais c'est bien. J'aime bien, c'est tactical, t'as y'a aucun compliment vers le ouais, non mais par contre, Wasabi, je crois que tu vas arrêter le random. Tu t'es saisi les deux 4 fois là déjà. Moi, je suis saisi une fois quand une merde à cause de ce qu'on a dit du démon. Ton up B, le fils, il a du super armor, je sais pas si vous savez. Alors attends, j'ai combien? Bah oui, bah ok. Non, peut-être c'est peut-être ton up A. En fait, tu veux que je te dise, je pense que c'est juste. En fait, ils sont forts en 1v1, mais c'est juste ils sont pas prêts aux batailles en 4 à 4. Genre, alors que nous on s'est entraîné à ça pendant 3 ans, genre. Ah, mais attends, je suis encore tout seul maintenant. Bon, bah génial. Ouais. Non, mais au moins, vous êtes vraiment l'un contre l'autre, quoi, maintenant. Ouais, putain, ça va être difficile. Par contre, tout style là. Mais c'est vrai, j'ai ce move, je suis bête, j'utilise pas mes moves. Oh, merci. T'es trop con. Ah, ça, t'as pas envie. Voilà, je vais perdre cette game là, ça me tient. Non, en vérité, j'avais perdu une fois là quand je me suis retrouvé vous deux avec vos deux vies chacun. Mais j'ai failli vous gagner. Non, pas comme ça, horrible. Horrible. Alors, je vais faire le truc chiant.
je suis désolé, je vais faire le truc chiant, Wakaimi, mais Oh non, je savais pas si je allais. Bon, allez, je fais combo quand même. Ouais, anyway. Qu'est-ce que t'as fait à Wakaimi? Oh ta mère! Oh, putain, tu es. Désolé, Wakaimi, mais je n'aime pas vraiment le fait que tu me mettes des. Tu l'as refait exprès, c'est ça? Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas capté, genre, désolé, Wakaimi, quoi. Il est derrière Wakaimi. Ouais, vas-y. Je vais tester Mars, même si c'est pas. T'as l'air tiré le Friendly Fire. Et vraiment, pour moi, le concept de l'équipe 2, enfin que tu vous mettiez en équipe et que nous on soit tous les deux contre, c'est que t'enlèves les dégâts parce que sinon ça change littéralement rien. Bah, un peu, pas trop, genre ils s'attaquent pas, mais en fait, vraiment. Normalement, si ça change. Non, mais change rien à part le fait que nous on va gagner séparément. Pour eux ça change rien. Genre, ils sont toujours contre deux cons qui peuvent se donner des dégâts et eux-mêmes ils peuvent toujours se donner des dégâts. Ça change rien. Ouais. Donc, je vais faire des 1v1 avec Mars. Vas-y. Est-ce que je peux ratatouiner Wakaimi? Tu fais quoi? Je sais pas, ils font des 1v1, ils disent. Ah c'est des 1v1. Ah putain, je sais pas. Attends. Faut que je corrige Wakaimi. Bon, pas in-game apparemment, je joue avec mon Kevin, mais... Tu vas te faire ban ton propre style, gros. Vraiment, t'as corrigé les fautes des gens dans le chat, c'est terrible. J'ai que ça à faire, là. On est militaire le soir, j'ai pas l'énergie de faire des commentaires ou des quoi, là. Il faut que je trouve des manières d'être marrant. Je suis admis. Bah vas-y, Je vais pour corriger les gens. J'ai tellement engueulé un gars. Yikes. Oh putain, je suis nul. Parce qu'il me corrigeait. Ça m'avait énervé. En fait, il répondait pas à mon message et il m'envoyait la correction. Oh, mais il répond pas après. Ah ouais, dégage. Yikes. Bon, ok. Yikes! J'essaie de try hard, mais c'est difficile un peu. Attends. Non, non, ça aurait été tellement mignon. Faut que je fasse des back air aussi. Non, moi pas. Ok, je suis un glandino. En plus, j'ai qu'une vie, mais quel gogol! Oh non, là, reviens! Et au moins, je me suis fait avec toi là. Yee! Ça, c'est ce que j'appelle un bon win. Oui, je te mets tellement bien. C'est un win clean, tel le skin immaculé blanc de Mars. Bon. C'est qui joue next in line? J'arrive. Contre moi? Ok. Concentration à 100%.
Oula. Oula. Mais comment moi je te t'atteins pas avec Mars, tu vois. Mais comment ça a fait pour m'atteindre? Mais que... N'importe quoi. Les épées, c'était facile. La mode, c'est les marteaux. Je n'accepte pas cette game. Les marteaux, c'est, et les c'est n'importe quoi. Ouais. Et des troncs blonds. Et les gants. Et les gants, en fait, tout ce que c'est... ouais. Monsieur King Carol, il joue les gants avec Captain Nash. C'est Inferno aussi, il est sur un ring un peu. C'est marrant que les flammes du marteau ça brûle. Bah ça brûle. Et oh là. Non mais regarde, vas-y, reprends le flot. Vu là où il y a le feu. Oh non mais quand, ah, quand ça marche pas bien. Ouais. Que ça brûle le gars. Ouais ouais ouais, pendant l'animation que je tape. Ok, moi je pensais que tu parlais de moi. Et pour moi ça brûle. En fait t'as pas la plateforme. Non. T'as pas un counter avec Marc? Chris. T'as un quoi? Ouais, il a un counter, ouais. T'as pas un counter? Si, non, si, c'est... bah c'est vrai, oui, tu me rappelles. Mais c'est... ça fait 40 000 attendez, années. Attendez, je vais mettre mon pyjama mec. Encore. 40 000 années. Je joue plus à Apex récemment, en fait. Je suis devenu un streamer Apex. Why cry me? Je t'attends, All Chris. Ouais, ouais. Ah, s'il te plaît. Attends, vas-y, mais fais vite, gros. J'ai envie d'être. Mais tu peux regarder sur mon stream, mec. Tu peux regarder sur mon stream. Mais tu regardes sur mon stream. Mon partage, je suis pas illimité. Allez là, mec, fais vite. Voilà. Fais vite. Mais c'est un malade, lui. Hein. Ah ouais, t'es sûr. C'est un fou, toi. Et on l'a vu avec le Digicon comment il a dead ça, lui. Il a dead lui. Il s'est dead à soi-même. J'ai 23 followers, what the fuck. C'est qui s'est abonné là récemment? Ah, c'est Wakaim. Ah, bah oui, parce qu'il y en avait un autre. Il a fait Poudre d'or et après il y a Wakaim. Voilà, c'est incroyable. Je... Ah, wow, ils viennent de aujourd'hui, je pensais. Non, non, mais là, attends. J'ai eu 4 followers aujourd'hui et un hier. Genre en mode, c'est en train de pop off ma chaîne. Et genre en mode, tu vois, YouTube, j'ai 28 subscribers alors que. Bon, tu vas me dire, je poste pas régulièrement depuis si longtemps que ça. J'avais mon podcast, mais il faisait genre pas grand chose du tout. Mais genre, j'ai 28 et là, genre, j'ai 23 sur Twitch là maintenant. Podcast live avec ton pote là. Ouais, avec Vortex. Et je suis carrément en train de rattraper ma chaîne YouTube avec ma chaîne Twitch là. C'est du gros fifou, la fifou. Et puis bientôt, je vais commencer à poster des clips de Apex et tout sur Twitter. Ah, et après, tu vas rattraper ton compte Twitch avec ton compte Twitter. De quoi, quoi? On va rattraper les nombres d'abonnés. T'as combien d'abonnés sur Twitch? Sur Twitter? Sur Twitter, je sais pas. Attends, je vais checker là. Mais Théo, essaie de faire un lancer de Gordo blanc et après, tu le récupères à l'opposé et tu l'envoies à lui. Attends, comment ça? En mode, tu refais side B, mais en mode, tu vas de l'autre côté. Vas-y, toi, tu t'entends. Ouais, tout à l'heure, tiens, encore une. Tu vois, tu fais un grand dolor et après tu vas à l'opposé. Ah non, je peux pas rattraper mon pote. Tu pars avec mon marteau, genre. Ok, ouais, tu veux pas. Je peux pas rattraper le torpeau. En fait, il faut qu'il soit envoyé par quelqu'un d'autre. Faut que ce soit okay. Soit un projectif ennemi pour que je puisse le rattraper. D'accord, c'est dommage. What the fuck? Si, ouais, au nul. Mais attends, c'est quoi tous ces tweets? C'est incroyable. Attends, what the fuck? T'as ce compte là, t'es dans les. T'es des top tweets. Je suis en train de voir des tweets par Sega qui sont godlike. Eh bien. Mais c'est quoi tout. Mais non, mais. Ils sont pas morts. Sega! Oui! Ok, les gars, le bruit de notre truc, qui est pas mal. Sega! Ouais, mais attends, j'ai une idée. Ok, j'ai deux idées en fait. Première idée, SEGA! Deuxième idée, SEGA!
prends les deux, prends les deux. Mais, parce qu'ils se sont dit, on va faire un nouveau. Non, en mode ouais, trop stylé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, attends, je vais faire comme moi. Ah oui, voir le nom au Twitter, blabla. J'ai 43 followers. Pas énorme. Oh, mes skin. Ah, dommage. Mais c'est incroyable. Oh, anyways, I'm back. Vous voulez que tu as une simple Sonic 3. Sonic 3. Oh oui, je sais. Ah, après, je vais pas. C'est qui que quoi? Bon, là, je suis pas concentré. Mais je voulais jouer trop. Oh, tôt, rose. Vas-y, mon pire. Ça, je suis pas sûr. Ah, bah attends, la blague Sonic 3, c'est quoi la blague? Bon, c'est j'ai peur d'avoir mal compris, d'avoir rigolé. Non, en mode, oh, c'est, rigolé, c'est, ça, c'est bien la blague en mode. On attend tous. Ouais, ça me fait rire Sonic 3. Et, mais moi, j'ai genre 1000 jeux sur les petites faces. Ouais, ouais, c'était très drôle. Sonic 3, Sonic 3. C'est comme si, genre, attends, il y a les tweets de Disney là. Star Wars 2, Star Wars 2. Il y a pas Sonic 3 déjà. Le Sonic qui marche pas en chiffres, il marche en nom. Et non, là il y a Sonic 2, il y a pas le Sonic. Oh, il paraît pas tard. Que tu peux récupérer mon poids, bah, sauter dans le vide. Moi, je crois qu'il joue comme un bâtard, vu que c'est un aléatoire, on peut se permettre de jouer comme un bâtard. Vas-y, moi aussi, je vais prendre aléatoire, je vais voir. Je vais voir, moi. Tu joues plus con? Malheureusement pour toi, je suis très très con, moi. Pas de plus vénère que plus con. C'est une vanne, je sais plus quoi, c'était trop drôle. Un policier dans son vidéo. Non, c'était mort. Non, musclé, mais genre. Ouais. Ah, on a senti tous les os de Kirby, s'il en a, se disséquer. Oh. Genre, vraiment, il faut juste le temps, comment je me l'homme est resté dans la forme. Hop. Non, je prends aléatoire pour les prochaines fois. Je vous laisse jouer encore. Après, voilà. Ah, vas-y, en attendant, je prends un toast avec. Ou sinon, je réaffronte. Ouais, vas-y. Après, je réaffronterai Wakami. On prend ça, non? Exact. Ah, ben, j'aurais dû prendre Interrog. C'est pas grave. Carof, non. Non, on va faire ça, c'est bon. Là il va tellement se soucier avec son MB, c'est sûr. J'ai perdu mon KO. Ouais. Ça spike là aussi, non. Et quand même, encore un peu le petit mot.
J'ai pas peur du risque. Aïe. Maintenant. Je me suis pris deux putain de réflexes en même temps. Non, moi j'ai pas comme ça, je suis pas si. Ah ouais? Je sais pas, j'avais l'impression. En fait, non, c'est lui, il a attaqué moi aussi avec son truc. Super. Non, mon attaque forcément ça a touché. Non, parce que le point était au-dessus. Mais en fait, je peux choisir quand est-ce que je joue et j'ai juste pas fait assez. Ouais, ça, je peux faire un toutouk ou je peux faire vous. T'as remarqué? Ah ouais. Alors. Vas-y, je prends. Vous avez combien de médailles? J'en ai 65. Stylé. Vas-y, je joue là. Installe-toi. Et après, je vais aller manger. Parce que je crève la dalle. À notre arrêt à tous. Et que je prends. Ouais, on peut rester sur le truc et rester dans la ronde de nuit là. Ouais, bon, faut que j'ai des trucs à faire, mon gars. Qui c'est que je prends? J'ai. Juste non, j'ai vraiment se nourrir. What? Attends, en fait, c'est marrant, comment tu te nourris avec de la nourriture? Quoi? Attendez, les gars, quoi? Tu te nourris avec de la nourriture? What the fuck? Ah oui, attends, il faut que je... Oui, je suis complètement déconcentré. Bon, parfois, comment mon humour il est en automatique et genre c'est Avril qui m'a fait remarquer ça, en mode parfois je dis des trucs marrants et je rigole pas. Et eux ils rigolent et après moi je rigole des gens qui rigolent. C'est comme la fois où t'avais dit putain c'est ouais, trop c'est... marrant, on a rigolé et j'étais en automatique. Ouais, après on pourrait rigoler sur un truc de base, j'ai rien dit, c'était en silence. J'aurais pu te faire bider, mais... Ah non, mais en fait, je l'aurais vraiment pas pu prendre un bide, je suis vraiment tout seul dans le délire. Ouais. Come back. L'idée c'est quand je suis à moitié en train de péter et je vois quand tu me l'as dit. He's back! Guys! He's back! Tiens, la raison, si j'avais pas rigolé, t'aurais eu une skin. Aïe! Ouh!
J'aime bien qu'il y ait. Allez, ça va. Oula! Oula, par contre, White Mi, t'es tout le temps le premier à mourir. Non, mais là, il est en aléatoire, il fait des dingues. En même temps, il se faisait beaucoup aussi. Quoi? Mais pourquoi tu topstein lui, mec? C'est pas comme ça qu'on joue Meta Knight, non! Attends, c'est pas beau, c'est pas beau comme Meta Knight, ça! Oh, le cauchemar, quoi. Répète un peu. Répète un peu. Ouais. Yeah. Allez. C'était, en vérité, c'était calculé de la microbière. Non mais non, mais je me fais combo de partout. À chaque fois. Il est de retour. C'est d'éviter les gens, je me fais quand même combo. Bim. Oh, oh non, il m'a buté. Il m'a buté. Non, 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 non. Ah, il est mort. Ouais, je l'ai tué après avoir dit ma phrase. Yeah, yeah. C'est pas ça, il est juste prêt à la fin de ma gueule. J'avais oublié qu'il y avait un Gordo à cet endroit là. J'aurais mis tellement de peinture que j'avais oublié qu'il y avait un projectile là. J'ai encore mon KO. What the fuck. Putain. Putain, je fais quelque chose de calé. Cette attaque est normalement tu me rebrain. Personne aurait osé ça, mais je connais tellement les timings maintenant. Non. Putain. Genre vraiment là, il y avait un énorme pingouin sur le cul qui arrivait là. Et boum, je sais. En plus, ça marche pas avec énormément d'attaques, mais celle-là, si elle est bien calée, ça fait des FAP. Là, c'est. Là. Hop. Quoi? Il va gagner, hein. Il va gagner. Tout à la je suis le premier à étrangler les gens qui font ça et j'ai fait une. Non. Juste pour se rééquilibrer à Wakao. Bah, il parle veux. Encore sur le Mustri. Sur le Mustri. Eh, hey, Kaiwa. T'es encore oh, regardez les dégâts. Ou hop. J'ai trop de dégâts, j'en ai 105. Ça va, 6250 000. Eh non, j'ai dit 105. Ouais, j'ai gagné 5 fois d'affilée. Sérieux? Ouais. Putain, j'ai pas gagné du tout. Je suis trop bête. Vraiment, c'est plus dans mes habitudes. Alors en fait, je crois, vu que je suis reparti content de la game, et bah, j'étais persuadé que j'allais gagner. Genre en mode, oh, j'ai fait 6 temps, je suis trop chaud. C'est bien fini. Non, qu'est-ce que clair, je prends? Le Korbach. El famoso Korbach. Ah, bibaboubam. Fameux Rumble. Je sais plus, je suis avec qui là? Ah, oh, je suis avec Ganondorf. Ok. 3, 2, 1, go! Oh le bâtard. Je l'ai pris dans la tête. Ferme.
Il a pris aléatoire ou quoi? Non, il a pris dernier. Ah ouais. Oula. Ah putain, non, je pensais que le reste était pas bon. Non mais vraiment? Merde. Bombe. Ouais, je rebalance des bombes. Yee. Ça c'est un peu épique quand même. BG, BG Axe, BG Axe. En même temps, BG Axe, ça va pas la tête. Ça va dégager. Yay! Attends! Non! L'animation du truc qui s'arrête jamais, ça me délire. Non mais c'est nul. Vas-y, je vais prendre littéralement, ça est plus dynamique, je pourrais arracher rapidement. Little Mac. Oh, c'est le round 40. C'est gênant là, c'est gênant pour Paul Chris. En train de lire un livre sur l'histoire de l'Amérique, et c'est ouf comment c'est le pire des enculés, les gros capitalistes américains, c'est eux qui ont tout géré, et qui ont réussi à faire vendre tout le cauchemar qu'ils ont produit par « Ouais, on est les meneurs de la liberté et tout ça, les petits pays arriérés, genre, ils font des... » C'est qui roule là? Ouais, c'est... Ah merde, j'ai pas pris les dents au Mac. Voilà, je me disais du coup. Mais c'est bon, j'ai pas... Moi je voulais te tuer avec le Mac. On fait ça à la fin. Et voilà, là je tue avec. Pardon. Ah non, à la fin. J'aurais pu faire une autre. T'es trop précipité gros. Désolé, moi aussi. Oh, désolé. Attends. Mais non, c'est pas possible ça, Wakami. Non, mais vraiment. Faut que tu te calmes un peu sur les team fight. Je break-shit à la dame et je vois les deux autres qui sont morts. il a side vision. C'est mort en 5 secondes quoi. Mais vas-y, à chaque fois je meurs et. Oh là 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 là. Il y a une game où je peux skill shot quelqu'un quoi. Peut être un peu épique, tu vois, je veux me sentir bien un peu en jouant. Mais ça c'était un peu nul. Bon voilà. J'enchaînais depuis tout à l'heure, il a commencé à m'enchaîner, t'es plus. Oh,
Oh le bâtard il a fait un truc. C'est un truc cette fois. Ta-ta-ti-ta-ta. Non, non, elle est trop haute cette fois. Oh là là, et après si je me la spammer c'est un délire. Et... On est encore en désavantage, c'est incroyable. C'est divine. C'est de vrai, c'est quoi le jeu. En fait, là c'est vraiment typique de faut pas viser juste, faut viser large. En mode parfois et on non, fait une attaque Camille, et on attaque on coup, et à la fois le gars mais en mode ce sera plus bénéfique. Comme le disait un certain philosophe grec, faut pas viser juste. C'est ça, c'est ça. C'est... Je vais faire des 1v1 après, c'est pas possible. Non merde, désolé, je suis désolé, j'avais oublié notre contrat. Ah oui, j'avais déjà quitté. Ça c'est vrai, ouais. C'est vrai, on aurait pu. Je vais vers Wakami. J'ai une dent contre lui. Contre Wakami. Bah vas-y, on vous laisse en 1v1. Moi je dois. Moi je voulais prendre. Entre vous. De ouf. Ah bon, moi j'ai chaud, j'affronte Wakami en aléatoire et tu prends n'importe qui, je peux rester sur Ganon. Wakami. Je vais prendre non je sais même pas, tu sais quoi, en tout cas je peux augmenter mes pourcents. C'est quoi, c'est tous join the time, tu m'avais même pas follow tous, quel traître, j'ai mis modérateur, tu m'avais pas encore follow, horrible, j'étais mouton et j'ai followé pas la chaîne. Attends, jure, mais moi je t'ai pas ajouté. Comment ça connexion ça va, comment ça y... Ça, vas-y, vas-y, ça, vas-y, carte qui conteste ta loyauté à toi. Est-ce que toi tu t'es follow ou pas? Oh, pas un. Vas-y, je sais. Ah, j'ai vu la... D'accord, je sais pas du tout comment on joue par contre, donc voilà. On va voir. La primesse. Moi je te suis. D'accord, je peux retirer toi aussi. Mais c'est incroyable, ah, genre. Ah, il y a une affiche. Nouvel abonné, moi. Waouh. Bon bah maintenant j'en ai 25, c'est génial. Genre 3 et je rattrape ma chaîne YouTube. Mais ça se trouve là, dans les stats, ça, tu vas stonk et les gens ils vont te recommander du coup. Bah mais non mais justement je sais. C'est pour ça que c'est bien quand t'as des followers. Parce qu'en fait dans tous les cas, c'est pas comme s'il y avait tous les followers qui allaient faut que je joue. Là je suis trop concentré sur le fait d'avoir des nouveaux followers. Pas correctement. Mais il y a des abonnés. En fait, je sais jouer Isabelle, mais je sais pas jouer villageois. Ouais. Oh, moi, je joue les deux, c'est marrant. Ouais, le villageois, il est un peu bizarre. Genre, l'ami, enfin, le. Moi, je préfère l'arbre, grave Isabelle. Genre, j'adore camper avec Isabelle. Wakaya ! Ouais, c'est quoi la fin ? Pour l'instant, c'est Wakami. Ah non. Azabi, wesh. Ah oui, en plus, c'est Smash Attack, c'est pas les mêmes non plus. Il a pas le même cette match. Non, ouais. Bon. Je joue pas très bien, honnêtement. On se la joue. Et non. T'es loin du micro, on comprend ce que tu vois. C'est quoi mes autres attaques en fait, parce que je... Ah mais j'ai l'arbre. Mais oui, je peux camper avec l'arbre, je suis bête, je connais pas mes moves en fait. Non mais le vrai micro, de quel micro tu t'approches là, mais c'est pas lui. Il y a pas de micro mon gars. Ah là. Ah c'est bon. Ouais. Je vais essayer de prendre ça serait sympa. Ah bah oui, parce qu'en plus j'ai une hache maintenant. Bah oui. Enfin bon, plus maintenant, t'as compris.
que je veux dire. Mais oui, mon side, mon side. Beaucoup de dégâts. En queue aussi, ça le fait mal. Ouais, je vais rester dans mon coin, mec. Ouais. Ah merde, j'avais pas mon arbre. T'as dit quoi, Pépé? Quoi? Les gars, ça veut dire. Je sais pas si c'est bien. Oui, merci, 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 merci. Ce win était incroyable. Ce win était incroyable. Slash ma... je... Ok, slash marker. Win. Avec plein de haine. Aïe, aïe, aïe. Putain, t'as atteint les 50 KO, bravo. Il s'est passé que t'as pas fait gaffe à mon arbre. Alors, oula, 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 j'ai fait quoi? C'est aléatoire, ça va être difficile. Oula là, les gars, s'il vous plaît. C'est ce cauchemar d'Itos. Ah, y'en a là. Ok, vas-y, on est deux aléatoires contre vous. Vas-y. Ah, ouais, ouais, ça me va, ça me va. Ça me paraît rigolo drôle. Little Mac! Little Mac! Tell me what you got, Mac, baby. Oh, ça va en vrai. Come on, mec! Oh, j'ai Zelda, mais c'est parfait, Zelda. Vas-y, c'est parti, on gagne, mec. On gagne, on gagne. Ah bah non, toi, t'es Samus, tu sais peut-être pas jouer Samus. Normalement, elle est pas censée faire des. Alors, viens, viens, on se met à la distance et on spam les projectiles. Genre, moi, c'est. Je te propose ça. Pourquoi il y a un écho comme ça? Alors, il y a un écho d'Alain. Bim, parfait. Bah non, pas genre le stream de disque ouvert. Aïe. Est-ce que je peux le tuer? Non, j'aurais pu, mais j'ai pas réussi. Ok. Bon. Je sais pas si c'est. Par contre, qu'il y a un stream ouvert ou yes. Yes, c'est nice ça. Ah mais il se heal lui. Ok ok mec, on va gagner facile facile. On se met d'un côté, on spam les projectiles. Ouais, j'ai dit bien.
easy bro. Easy broski. La petite boule, j'ai dit bon. Alors, easy peasy, mais sans morceau aussi, mais sérieusement quoi. Bah, oh, attention! Ouais. Oh, c'est... ok, c'était pas moi. C'est BG Max. C'est quoi mon neutral B? Oh, mais j'ai ce move, moi! Bah oui. Oh non! Oh non! Je suis désolé. Ça arrive. Je savais que ça allait arriver. Oh, j'ai un move qui envoie les projectiles. Cool, je vais le faire alors que mon mate c'est un Samu. J'y ai pas pensé, je me suis trop focus sur quoi en fait. Vous voulez que ça l'envoie lui? Let's go! T'as tes shots. Let's go! Vas-y, je peux affronter mon best perso Hazard contre Wakaka. J'ai tout vu. Vas-y. Alors. Bon, je pense que... T'as pas tardé à manger. Ok, vas-y, on Je pense que ouais, faut qu'on bouffe là, parce que moi, perso, je crève la dalle, ça fait genre, je crois, 5-6 heures que j'ai pas bouffé. Bande de bâtards. Et si t'insistes. Oh. Je sais pas. Chris, j'affronte Waka. Ok, ok, attends. Let's go. Vas-y, je vais faire mon commentateur, si là, je peux faire... Certainement, j'aurais que je me mette à ça. C'est bon. Ouais, ça va être tranquille. Je joue pas, mais je le connais. Alors, vas-y, je vais faire le commentateur de la dernière game, c'est parti. Donc on a Monkey V avec Pikachu, un pic qui ne prend jamais, et Ness, joué par Wakaimi. Donc deux personnages très très méta, très top tier. On va voir qui est le meilleur top tier ici. Qui est le meilleur top tier. Ouh, très bon down B de la part de Monkey V. Par contre, c'est vrai que Wakaimi a son down B qui peut absorber les attaques énergétiques pour kill un peu. Donc il faudra faire gaffe parce que... Voilà. Avec le down B de Ness, Pikachu manque son outil principal de neutral, qui est son neutral B, qui lui permet de garder sa distance. Surtout ça pourrait être pratique contre Ness, parce que Ness a surtout des attaques en close range. Ness a surtout des attaques en close range. Oui, non, mais à part son up B, mais son up B ça c'est une fois que t'as envoyé parce qu'il est lent à démarrer. Genre tu peux pas commencer à faire un hobby en plein milieu de combo quoi. Alors tu peux utiliser le neutral B pour faire des mix-up ou pour l'utiliser en neutral. Ah oui non. Alors ah, ta mère, la pute, c'était un attempt. Je suis même pas remonté. Je joue d'autres personnes parce que moi mais c'est vrai qu'il m'a pas fait ça. Ok, side B, première fois qu'il est utilisé par Pikachu. Intéressant. Pardon, non, Pikachu qui galère un peu à s'approcher close range parce que Ness a beaucoup de moves qu'il peut enchaîner rapidement. Ouais, attends, je vais tuer. Putain, un Pikachu qui galère parce que Ness a énormément de moves. Pikachu qui essaie beaucoup de faire des smash attacks, mais ça le laisse sur place. Et c'est vrai que Monkey V là il profite pas de l'atout de Pikachu qui peut enchaîner les attaques assez rapidement, surtout les attaques aériennes pour faire des combos aériens. Mais cependant, il arrive à profiter de down B bien calé. Confirmer le kill sur Wakaimi. Toujours un peu de désavantage pour Monkey V. Surtout avec le piqué fire qui fait beaucoup de dégâts. On va voir comment Monkey V se débrouille. Pour l'instant, ça a l'air un peu galère. On va faire gaffe là sur ce dernier stock. Parce que le back throw de Ness a beaucoup
de knockback. Faudrait pas que tu te prennes quand t'as beaucoup de dégâts. Voyons voir. Des échanges de neutral assez close range, pas très calculé, très très erratique. Mais c'est Wakaimi qui a l'avantage là. On va voir comment mon Kive fait pour rattraper la situation. Mon Kive qui encore une fois ne profite pas beaucoup de l'habilité de Pikachu de spammer les attaques aériennes, qui essaie beaucoup de faire des attaques smash, mais qui profite pas de la mobilité de Pikachu. Ok, ok. Vas-y, je vais l'avoir comme ça. Ça va être compliqué. Mon Kive qui doit faire très très attention au back throw de Ness. Parce que un back throw, signale la mort instantanée. Bon mix-up, deux fois d'affilée avec le side B. Très bien, très bien. Neutral B. Ça va être tendu pour mon Kive, mais il peut le faire. S'il commence à utiliser les atouts de Pikachu. Ok, ok, pas mal, très bon counter. Utiliser le neutral B pour bait. Oh, ok, pas mal, pas mal. GG. Utilisation du neutral B pour bait le down B. Le magnet. Et ensuite, pouvoir balancer un side B. Sympathique. Bon, moi je shut down l'arène, les gaz. J'ai vraiment envie de bouffer. Mais en tout cas, c'était fun. Pendant 3 heures, wesh, les gaz, je suis un streamer. J'ai 94 ou pas? J'ai eu combien de followers là en vous comptant vous la bande de nuls ça me fait 5, 6, 7, ça me fait 7 followers d'un coup là. Comment c'est encore un match? Stylé. Non mais éteins l'arène. Bande de tricheurs. Vas-y. Oh en plus j'ai pas TP un petit peu. Allez vas-y, Samus. Samus, vas-y. Ok. Dernier match. Donc mon Kive avec Samus et Wakaimi avec Ness, voyons voir. Donc un personnage long range contre un personnage qui va être assez aggro. On va voir comment ça va se faire. Je pense que Wakaimi va pas vraiment laisser l'occasion à mon Kive de garder ses distances. Pourtant j'ai du mal à suivre. Genre là le SD de Wakaimi ça me concentre. Anyways. Yeah. Mon Kive qui a l'avantage. On va appeler ça non, du skill. Mon Kive qui a toujours pas utilisé son neutral B alors que le charge shot est l'outil essentiel de Samus. Il a son délire là. Et qui fait une recovery assez basique. C'est. Non mais les gars, vous êtes fatigués, je pense que vous avez faim aussi là, ça le fait pas. Ok, le down B. Enfin, le down tilt, excusez-moi, le down tilt qui est un très. Un move. Et qui fait assez beaucoup de dégâts et qui aussi envoie assez loin, c'est plutôt pratique. Surtout, c'est un bon mix-up pour pouvoir faire des kills. Ou en tout cas, c'est un Get of Me Tool qui permet de balancer l'ennemi loin pour avoir un peu de distance. Ce qui est pratique pour Samus parce qu'elle veut avoir ses distances et utiliser son Charge Shot. On voit un peu des close range, on voit que mon Kive a essayé de faire un up B. Ok, back throw qui est pas encore assez de dégâts sur mon Kive pour pouvoir tuer d'un coup avec le back throw. On s'y approche. Ok, pas mal. Comment ça s'appelle les petits missiles? Les tilt missiles qui lock on sur l'ennemi. Pratique pour mettre un barrage entre toi et l'ennemi. Qui est assez chiant à se débarrasser. Ok. Je vois qu'il y a des essais avec le charge shot, mais c'est pas encore ça. Le charge shot, ça requiert beaucoup de read. Faut savoir où est-ce que son ennemi va se placer, où est-ce qu'il va jump. Faut aussi bait les jumps, faut envoyer des missiles par exemple pour que l'ennemi commence à jump. Et après. Une fois qu'on a prédit le jump, on peut lui balancer le charge shot. Ou même, s'il est en train de shield, on peut enchaîner les missiles avec le charge shot pour pouvoir break le shield d'un coup et enchaîner sur une smash attack assez puissante. Samus a clairement des outils qu'elle peut enchaîner qui sont assez puissants, qui font beaucoup de dégâts. Mais c'est Wakaimi qui emporte cette game, même s'il s'est SD une fois au début.
Bon, tu vas me dire toi aussi que t'es LB. Il a commencé à taunter. Il a commencé à taunter après avoir gagné. Y'a Tsunami, first time chat. Bah, Tsunami, tu te pointes quand on finit là, machin. Vas-y, viens! Bon, écoute, tu sais quoi, je suis gentil. Je laisse ma Switch tourner. Si vous voulez encore continuer à jouer, vous pouvez continuer à jouer. Mais Tsunami, follow. C'est le requirement pour jouer avec nous. Et puis en plus, la prochaine fois qu'on pourra jouer, tu pourras savoir quand je suis live. Donc, follow, mec. Yes! Ça fait combien? Ça fait 8! Genre, 8 en 2 jours. Incroyable. Je suis trop blanc, mon streamer. Bon, allez, c'est parti, les gars. Amusez-vous bien. Je peux pas faire des commentaires live, genre. Mais j'ai envie de faire des commentaires live, Mais je suis fatigué et j'ai faim, donc j'arrive pas à faire des commentaires intéressants, genre. Un Daddy Do contre deux Ness. Oh non. Bon, ok, c'est trop marrant, je peux pas passer. En plus, il y a le skin blanc et incroyable. Bon, alors. Les gars, qu'est-ce qu'on a? On a les deux crocs. Là, bon, c'est en free for all, donc. Y a pas d'équipe. On va voir si les deux Ness décident de collaborer contre le pingouin, juste par alliance naturelle, par instinct. Ou s'ils décident de s'affronter entre eux. Est-ce que tu regardes des commentateurs? Genre des gens qui... Je regarde des commentateurs sur Halo en anglais. Parce que je regarde beaucoup. Ok, pas mal le kill de Toast avec le Gordo qui a été envoyé encore plus loin par Wakaimi. Plutôt pas mal. Voyons voir comment Croc se débrouille. On n'a pas encore vu le skill de son S. Croc qui arrive plutôt pas mal à esquiver les attaques des deux ennemis. Et De quoi 0-9. Ouais, 21 l'année. Pas mal à esquiver les attaques à 2 mm. Il va pour Sage. Croc qui a la confiance. Et Croc. Il s'appelle Croc, ouais. Je vais les faire manger. Non, j'adore, j'aime bien les Croc et il a une Gordo. En fait. Donc, vas-y. On va voir. Même qui a le feeling, qui est un main de depuis 6 ans, qui n'a pas. Donc, il se débrouille bien, il a toujours ses 3 stocks. Il arrive à garder les. C'est pas mal. Arrête de dire Croc. Il a dit depuis 3 ans. Par contre, ton microphone il devient de plus en plus pourri, mec. Incroyable. Bon, anyways, Croc qui a un peu le désavantage là, qui est à un stock. Malgré le fait qu'il arrive à esquiver les attaques plutôt pas mal quand il s'en prend, apparemment ça fait mal. Là, Croc qui a un peu en gros désavantage. Tous qui a toujours eu 3 stocks. Là, il passe à 2 stocks, mais il a toujours ses pourcents. Et tout cela qui a clairement l'avantage avec un stock de plus que tout le monde. 0 dégâts, plutôt pas mal. On va voir si les deux Ness décide de suivre leur instinct enfin et de s'allier contre tous. C'est pas du tout une suggestion, hein. Vous alliez surtout pas contre tous. Vas-y, il faut que ce soit intéressant un peu parce qu'à chaque fois il y en a un qui reste avec tout le stock, c'est pas possible. Voilà, donc un peu de racisme contre les pingouins, ça fait du bien de temps en temps. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? La Croc qui est un peu en train d'être pas dans une très bonne position. Qui devrait peut-être prendre ses distances et utiliser ses piquets fire et ses piquets flash, ses habilités spéciales, afin de pouvoir avoir un temps de repos. Pas mal. Je vois que Croc et Wakimi sont proches l'un de l'autre, mais qui ne se touchent pas tant que ça. Donc peut-être une alliance, je ne sais pas. Ok, tout ce qui arrive quand même à snipe Croc, tout ce qui n'aime pas Croc, tout ce qui veut absolument se débarrasser d'un des joueurs pour pouvoir faire un 1v1 et que ce soit plus calme. Mais pas mal, tout ce qui essaie de profiter de son avantage et de pas laisser les ennemis remarquer l'avantage et s'allier contre lui, bim. Tout ce qui a débarrassé le terrain, tout ce qui peut maintenant se concentrer sur Wakaimi. C'est parti, 1v1, est-ce que Wakaimi va réussir à faire quoi que ce soit avec 100 dégâts de désavantage? Faut même voir quelle technique il va utiliser pour essayer de contrer. Pas mal les piquets fire dans le Gordo pour le renvoyer. On va voir s'il arrive à garder ses distances et à balancer des barrages de projectiles pour essayer d'empêcher Toast d'utiliser ses propres Gordos. Parce que je rappelle que les Gordos sont renvoyés par les attaques ennemies quelconques. Donc peu importe quelles attaques. Je pense qu'aussi ce serait plus pratique de rester à la distance pour Wakaimi, de pas trop s'approcher parce que Toast a quand même très peu de end lag sur la majorité de ses moves. Donc c'est assez dangereux de s'approcher. Mieux vaut renvoyer ses Gordos avec les piquets fire. Ou alors, très très bonne technique là, utilisée par Wakaimi.
d'utiliser le Piqué Fire dans le inhale de Toast pour le garder en hit-stun. Ok, ok, pas mal de dégâts, mais Toast la tank avec son... Avec j'ai du mal à me concentrer. Là, le match est très très tendu. Là, c'est Toast qui est un peu en train de sweat. On voit, ok, Toast quand même qui remporte le win. Toast qui arrive à capitaliser sur son avantage. Mais c'était chaud. On sent que Wakaimi, il se débrouille bien avec Ness quand même. Quand il a l'occasion de jouer en 1v1. Bon, anyways. Voilà. Ouais, non, je vais y aller. Bravo à tout le monde et désolé à la personne qui arrive tout à la fin, mais j'ai faim aussi. Oui, tout le monde a faim là. C'est moi prendre mon buzzer. Allez. Bon, je laisse l'arène tourner. Si tu veux, tu peux jouer contre Wakaimi, Croc. Et bon, bah, il est déjà parti, Bidule là. Ouais. Ok. Bah, vas-y. Vas-y, laisse-nous en V1 et puis on arrête. Ok, ça marche. Bah, ce que je fais. Ma Switch, il risque de s'éteindre en plein milieu. Je suis désolé. Je vais arrêter le stream. Merci d'avoir follow tout le monde. Merci d'avoir rejoint. J'espère que vous avez apprécié mes talents de commentateur. J'essaye. Et mes talents. J'ai mon nouveau microphone que j'ai eu hier, je crois. Ouais, je l'ai eu hier. Et c'est l'éclat total. Donc, bah, merci d'avoir fini. Merci pour les 8 followers en 2 jours. C'est incroyable. Genre 7 en juste aujourd'hui. C'est mind blown. Thanks les guys et salut. Peut-être je laisse le stream tourner cette dernière game. Ça vous peut profiter. Ça marche. Allez, j'y vais moi. Allez, adieu. Salut Toasty, bye bye. Salut. C'est incroyable les gars, vous êtes super sympathiques. Donc, on check ça. Nice. Much love les gars, super sympa. Et les clips là, ça m'intéresse, les clips que vous avez là. Mis dans ta gueule, Théo, j'aurais été tellement fier. Donc t'es un peu tout seul là, mon privé. Super sympa. Je ferme l'arène. Et thanks tout le monde. Et bye bye. Bye bye. Thanks.